Ah bah Hagar, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live sur Pokémon Let's Go Pikachu. On va continuer l'aventure, on va capturer un maximum de Pokémon avec toujours l'objectif d'essayer d'avoir tous les Pokémon dans le Pokédex. On y croit, en tout cas on va tout donner, on va tout essayer. Comme d'hab, je renomme les créatures que je capture avec vos jolis pseudos. Voilà, donc on en a déjà capturé pas mal. Je me suis arrêté ici. Voilà, on avait trouvé le Salamèche. Je n'ai pas encore trouvé de nom pour le Salamèche, donc je ne sais pas à qui je vais le donner pour l'instant, donc ça on verra plus tard. Direction, je crois, le troisième badge, vers Carmin-sur-Mer. On avait fait le bateau avec des gros chelous à l'intérieur. Bref, prenez place la team TikTok, prenez place la team Twitch. Twitch, installez-vous, et ceux qui regardent en replay sur la chaîne secondaire, faites comme chez vous, j'espère que ça va tout le monde. J'espère que vous avez la forme, j'espère que ça va. Je ne sais pas combien de temps elle dure, la Pokéball en termes de batterie. J'espère beaucoup, hein, j'espère longtemps. Parce que je ne l'ai pas rechargée, hein, depuis que j'y ai joué. Donc j'espère qu'elle va pas me lâcher juste le loco même. Donc on croise les doigts et on y va. Salut tout le monde, ça va? Oui, moi ça va super, comme d'hab, ça va impeccable. Ça va nickel, nickel Michel. Allez, on y va. On est parti, let's go. Alors du coup là on va partir sur un, on va partir sur un troisième badge, hein, j'ai l'impression, c'est ça, hein. Il me semble bien. Il me semble que c'était troisième badge, hein. Carmin sur mer, tout ça. Oula, par contre, hey, Psycho Quack, s'il te plaît, regarde devant toi là. Non mais attends, quel canaille. Hey, Psycho Quack. Salut tout le monde. Ouais, en fait, je capture les Pokémon, Car Mario. Je capture les Pokémon et après, je les renomme avec le nom des viewers. Oh ouais, ouais, ouais. Oh ouais, ouais. Oh, moi, je suis un mec comme ça, moi. Je suis un mec qui prend des risques. Alors, attendez, je vais virer déjà... Psycho Quack de mon équipe, là, parce que... un peu trop imposant. On va mettre qui, là? On va mettre... mais ouais, ils ont tous évolué, là. Ah bah non, regardez, on va mettre Caninos. Ah, on peut pas. Ah si, je crois qu'il faut. Je crois qu'il faut que je le mette dans... Attendez, dans quoi là? Dans équipe, c'est où l'équipe déjà Pokémon? Ah c'est là, équipe. Voilà. On va mettre qui? On va changer, on va mettre voilà, Eric qui va être là, compagnon. C'est bien ou pas? Ah, voilà. En plus, oh, c'est mignon. Oh là 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 là. Ah, vous m'entendez pas sur TikTok? Ah, c'est bon, vous m'entendez sur TikTok? Je suis là. Vous m'entendez? TikTok, ça déconne à chaque fois. TikTok, je suis là. Je suis là, TikTok. Je suis là. Je suis là. C'est bon, vous m'entendez? Ok, impeccable. Mais TikTok, eh, je suis sincèrement désolé, hein, vous avez pas de chance. Mais le logiciel de TikTok, il est éclaté au sol. C'est un logiciel de la préhistoire. Donc j'essaie de faire au mieux, hein. C'est bon, vous m'entendez? Super. Eh ben, salut la team TikTok. Coucou tout le monde. Alors voilà. Là du coup j'ai Caninos. Je vais aller à Carmin-sur-Mer. Mais je sais plus où est-ce qu'on est... on était passé pour aller à Carmin-sur-Mer. On avait fait le bateau. Bateau. Et après je sais plus, hein. Salut tout le monde. Voilà. Salamèche, j'ai pas encore donné de nom. Salut Lisa. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi? Ah, une Beframby. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh, c'est bon, hein. C'est quand même bon, les Beframby. C'est super bon. J'adore. Salut Léna. Ouais, ça va nickel. Ah, hier, c'était super, ouais, le live Twilight Princess. Merci à la team TikTok, hein, vous étiez nombreux aussi, hein. Ouais, c'était top. On a passé un bon moment avec... C'était génial. Voilà. On va à Carmin-sur-Mer. Alors, attendez. Bah, Caninos, t'as bien mangé à la cantine ou quoi, là? Eh, tu ne sais pas passer, là? Quand même. Papa. Papa. Je vous jure. Na. Salamèche, c'est le boss, je l'adore. Moi, super. Mais ça veut pas dire que tu l'auras, hein, du coup. Hein. Non. En général, les légendaires, je les donne pas. Je les donne à la modération. Voilà, mais... voilà. Donc, vous pouvez réclamer autant que vous voulez.
vous ne l'aurez pas. Voilà, ici on gratte pas les Pokémon. On ne gratte pas la... On ne gratte pas l'amitié. Viens là, Caninos. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. J'ai vu ton TikTok avec les... Ouah. Ah, mais c'est la famille, après c'est le sang. Merci, Sophie, pour le follow. Nanana, regardez. Eh. En plus, Caninos, c'est bien parce que... Voilà, c'est un chien et tout, voilà. Et il fait pas caca ou pipi. Il respecte l'environnement. C'est bien. Il respecte son entourage. Il respecte les gens. Il respecte les autres créatures. Il va pas chier dans un tunnel. Non, c'est pas son genre. C'est très bien, Caninos. On est fiers de toi. D'accord, on peut pas passer par là. Est-ce que je vais trouver un nouveau Pokémon que je n'ai pas? Un psycho, quoi, que je l'ai déjà. Ah, il y avait un bras. Oh merde, il y avait un bras. Il est arrivé comme ça et hop, il a disparu. Oh non, j'ai loupé un bras. Oh merde alors. Oh, je suis deg. Ah non, je suis deg. Reviens là. Abra. Oh non. Oh, je suis carrément dégoûté. Pourquoi il a disparu comme ça? Il a fait hop. Il a fait téléport. Oh non, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Ah mais non, je veux pas de toi là, psycho quack. Oh là là, quel enfer. Mais donnez-moi un bras. Et du coup, je fais quoi? Je vais essayer de le farm ou quoi là? T'es où, Abra? Putain, mais moi, je sors pas d'ici tant que j'ai pas Abra, en fait. Maintenant que je l'ai vu, mon cerveau, il va dire, no way, tu pars pas de la zone tant qu'il n'y a pas Abra. T'as intérêt à être de nouveau là. Il va revenir. T'es où, mon petit Abra? Ouais, il va pas revenir. Je suis un peu déçu, je suis un peu choqué, finalement. Eh, y a Manu, là, j'ai toujours pas récupéré. Attendez. Il en fallait combien, déjà? Il fallait combien de Pokémon? Ah, il en fallait 60. Attendez, j'en ai combien? J'en ai capturé combien? Attendez, j'en ai capturé combien au total? J'en ai capturé 50. Ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer 10 Pokémon. Et comme ça, on pourra récupérer Manu. Ouais, je suis sur Twitch et TikTok. Vas-y. Regardez comment je lance ma Pokéball. Go! Waouh! Oh, je maîtrise ça de malade. J'ai un truc là. J'ai un truc. C'était un très beau lancer. On va pas se mentir, c'était un très très beau lancer. Ouais, ouais, ouais. Et Kazu monte au niveau. Niveau 18. Et il va prendre combo griffe. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée, ça. J'ai un truc, Léna, on est d'accord, hein? Mimique, hop. Allez, combo griffe. Ouais, cet après-midi, là, je suis sur Pokémon Let's Go. Et ce soir, je suis sur Gartic Show. Je dois dessiner des trucs et ma commu Twitch doit deviner. Alors, ça fonctionnera que sur Twitch, hein, Gartic Show. Ça marche pas sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch, bien sûr, si vous voulez participer ce soir. Parce que... en fait, Gartic Show, ça marche avec le chat Twitch. Donc, vous aurez beau noter vos réponses sur TikTok, ça marchera pas. Allez, j'en capture 10 et on va chercher Manu. Waouh, attendez, mais je maîtrise la boule comme personne, là. Attendez. Mais je maîtrise la boule comme personne. Il y a un truc, là. Non, il y a un truc. Il y a un truc quand même. Ouais, je sens que la boule et moi, ça fait qu'un. C'est beau. Je crois que j'ai perdu mon... J'ai perdu tout sens de la vie. Et j'ai trouvé ce que je dois vraiment faire. Je dois devenir dresseur Pokémon. Je suis fait pour devenir dresseur Pokémon. Regardez. Je vais vous montrer à quel point je suis doué. Regardez ça. Go! Mais je suis vraiment un dresseur là, je crois. Oh là là. Oh là là. Je suis vraiment un dresseur. Y'a pas de doute. Vous avez vu ou pas ce lancer? Ce lancer incroyable. Ce lancer magique. Ce lancer très lanceux.
Oh là là, non, incroyable. Feuille qui monte d'un niveau. Merci. Contente également. Oh là 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 là. Oh non, tu peux me tutoyer, Léna, je suis pas ton daron, hein. Vas-y, tutoie-moi. Bélier. Ouais, on va apprendre Béliève. On va apprendre Béliève. On va apprendre Béliève, bien sûr. Allez, hop là, allez, on s'en fout. Merci, merci beaucoup. Eh, merci pour vos GG, vous rigolez. Eh, merci à vous, c'est le talent après, c'est le talent. Bon, on n'apprend pas Béliève. Constance qui monte au niveau 23. Lolono qui monte au niveau 21. Oh là là, mais tout le monde monte en niveau, mais c'est... C'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est incroyable. Ouais, bien sûr, pour avoir vos noms, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez que je vous renomme en Pokémon. Mais que ceux que j'ai pas encore, hein. Donc ceux-là que j'ai déjà capturés, je m'en fous, hein. Je vais pas renommer avec. Sinon, tout le monde est... Sinon, je vous renomme tous en Ratata, hein, quoi. Vous voyez le délire. Oh, quoi? On a encore un sans faute? Non, mais attendez, mais... Mais c'est complètement crazy, là, ce qui est en train de se passer. Oh là là! C'est complètement dingue. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça va, Elia? Oh, Eloane qui monte au niveau 22! Non, mais là, il y a un truc. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, encore une histoire de Lolono. J'y ai pensé. Il y a un truc, hein. Ratata! Bah écoute, ça va, Elia. Je suis en pleine forme, ça va nickel. Petit live chill là l'après-midi. C'est tranquillou l'après-midi, histoire de me mettre bien. Et soir, eh ben, ça va dessiner comme jamais. Hein. Et puis demain, qu'est-ce qu'on fait demain sur Twitch? Demain, on fait quoi? Demain, on fait quoi? Demain, on discute. Radio Flavien. Et puis Resident Evil. Ah, j'ai hâte de continuer Resident Evil. T'as raté le live hier soir? Le replay il est dispo sur ma chaîne secondaire si vous voulez, la team TikTok. C'est Flavien Alexander replay sur YouTube. Il est dispo. N'hésitez pas à y regarder si vous ennuyez. Surtout que le live d'hier était vraiment incroyable. Il était génial. En fait, il n'y a aucun live. On peut pas comparer les lives. On peut pas comparer. C'est pas la même ambiance. Ça dépend du jeu. Ça dépend de l'horaire. Tout live est unique. Tout live. Vous ne pouvez pas... On ne peut pas comparer, vous voyez, un live à un autre. Je veux dire, il y a chacun un live différent. C'est pas la même ambiance. Vous voyez, c'est un... Je sais pas comment vous décrire ça, mais... On peut pas avoir... On peut pas rechercher la même chose dans chaque live. Même si c'est la même personne qui live. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Et que si vous cherchez vraiment la même chose dans chaque live, il se peut que vous perdiez complètement la boule. Et moi, j'ai pas envie que vous perdiez la boule. Moi, je veux que vous maîtrisiez en totale adéquation mes lives. Et que vous profitiez, peu importe ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ce que vous voulez? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, à partir de là... On est bien, quoi. Et ça, c'est beau. Allez, let's go, Pokéball. C'est une sacrée... C'est une sacrée épreuve, hein, de maîtriser la boule. Hein. Ouais, moi, je live du lundi au samedi de 20h à minuit. Et parfois l'après-midi. Voilà. Pour mes horaires. Par contre, je suis un peu d'aigle de pas avoir... De pas avoir un bras. J'ai rien contre les ratatas, tout ça, mais quand même. Il y a un moment, moi je veux bien quand même un abras. Hein. Allez, c'est parti. Non, mais attends, mais il y a un souci là ou quoi là? Non, mais attendez, mais. Mais je ne rate aucun Pokémon. Non, attendez, il y a un truc là. Comment ça, j'ai de la chance? Salut Fred! Mais attendez, mais il y a un problème! Je ne rate aucun Pokémon! Je maîtrise la boule! Mais c'est vraiment dans mes gènes? Je serais vraiment de me poser mille et une questions là. Il y a un truc. On va retenter, on sait jamais. On va retenter! Je vais essayer les yeux fermés pour voir. Mais c'est la sainte boule ou quoi là? Ah, ça va, t'es revenu. T'es revenu, d'accord. Mais je t'avais bien visé quand même. Attends. Bouge pas. Je ferme les yeux.
Il y a quelque chose. Là, il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Il y a vraiment aucun doute. Je suis désolé. C'est pas pour me la péter. Mais je pense que je suis un vrai dresseur. Je suis un vrai dresseur. Voilà. C'est pas pour me la péter, hein. Je suis vraiment désolé. Mais je pense que je suis un vrai dresseur. Je peux pas nier ma... mon avenir. Alors, on oublie ce que je viens de dire. Je peux pas nier qui je suis vraiment. Voilà. Je peux pas nier qui je suis au fond de moi. Et on ressent mon... on ressent mon... c'est ça. On ressent le fait que je finisse pas mes phrases. Et ça, c'est beau. Ah ouais, non, il y a un truc. Je vais réfléchir à la question, là. Je me suis trompé de métier. J'ai un talent caché, Alex. J'en étais persuadé. Alors, je n'aurais jamais mis une pièce sur dresseur Pokémon. Mais ça me va. Hein. Oh, Eric, il a monté d'un niveau. Niveau 16. J'adore, j'adore. Niveau 16. Il évolue quand en... attends, c'est quoi? En Arcana. Oh, encore un petit moment, je pense. Il m'en manque combien, là? T'es où, Abra? Ah, t'es là! Oh, te barre pas! Te barre pas, Abra! Te barre pas! Attends, est-ce que je peux changer de Pokéball? Attends, je vais te donner à manger! Je vais te donner à manger! Tiens! Mange! Prends de l'ananas! Voilà! C'est bien! Bouge pas! Ne bouge pas! Voilà, ne bouge pas! Ne bouge pas! Ok. Ok, la sainte boule! Vas-y, go! D'accord, j'ai pas appuyé sur le bouton avant. Bouge pas! Ah! Oh, attends! Ah! Ah merde, fuck! Attends, fuck! Attends, bouge pas! Bouge pas, bouge pas! Tu bouges trop! On y croit! On y croit! Abra! Reste dans la boule! Ah! Non! Ne pars pas! Ne pars pas, Abra! C'est rien! Tu vas être bien dans ma Pokéball! Voilà! Reste-y! Tu vas être bien! Oh chaud! Il y a un lit douillé! Ouais! Waouh! J'ai capturé Abra! Ben voilà! Oh! Et Kazu monte au niveau 19! C'est beau! C'est beau! Oh, j'adore! Le petit Abra! Il est incroyable! Tiens, Abra, qui est-ce que je vais le donner à qui, Abra? Ces petites têtes comme ça, là. J'ai bien envie de le renommer en... oh, notre très cher Alex, là, sur le Discord. Je vois bien en Alakazam, celui-là, là. Son petit côté un petit peu mystique. Ouais, tiens. Allez. Voilà, on va l'appeler Alex, le très cher Alex. Allez, voilà, mon petit. Oh là là, qu'est-ce qu'il est incroyable, Abra. Abra, Kadabra et Alakazam. Oh là là, il a beaucoup de chance. Il a quand même beaucoup de chance. Hein. Moi, j'adore Alakazam. Alakazam, il est incre. Il est incre, mes vies. Alors, attendez, je vais le renommer. Changer le surnom. Oula, on recommence. Changer le surnom. Alex. Voilà. Oh, voilà. Attends, comment on fait pour valider? Voilà, super. Attendez, il faut que je les relâche tous, là. Ça, on va transférer au Pokémon. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Salut Gigi, ouais, c'est trop bien. Oublie pas, tu me dois un type dragon. Alors, je dois rien à personne. Ah, voilà, non. Moi, je ne dois rien à personne. C'est ça qui est chouette quand t'es streamer. C'est que je ne dois strictement rien à personne. Voilà. Donc, non, vous ne m'aurez pas. Je ne dois que dalle. Voilà. Désolé, hein. Vous êtes mignon, mais je dois rien. Voilà. Donc, merci à vous. Merci. Quelle bande de canailles. Bon, Rondoudou. Voilà, Ratata, ça en relâche, ça aussi. Nyamaru. Magla. Très bien. Attendez, Sabulette, c'est qui? Ah oui, c'est Nanami. Eh ben voilà.
Allez, on transfère. Allez, ça part. Merci, Joe. Allez, on transfère tout ça, là. Eh ben voilà. Est-ce qu'après, on le met dans notre équipe? Attendez, déjà, mais Salamèche, je l'ai renommé en père. Je l'ai pas encore renommé, hein, Salamèche. Est-ce que Alex, on le met dans notre équipe? Attendez. Est-ce que Alex, on va le mettre dans notre équipe? Ça, c'est une bonne question. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Alex, on va le mettre dans l'équipe? Si oui, je vire qui? Non, pour l'instant, on va virer personne. On va laisser comme ça. Il m'en manque combien à capturer pour avoir le... Pour avoir Manu, là? Ah, je suis trop content d'avoir Abra. Ah bah 60, impeccable. Voilà, j'en ai 60. Et ben on va récupérer Manu. Moi je le veux bien le carapuce. Je le veux bien. Ouais. Il fait rien que des bêtises. Ouais, ça m'étonne pas. Il a une gueule à faire des bêtises le carapuce. Ouais, je vais bien m'occuper, t'inquiète pas, gros. Et Carapuce est avec nous. Ah, Carapuce. Eh, à une lettre près, il aurait pu s'appeler Carapute. Alors, Carapuce. Carapuce est avec nous. Welcome, et il est beau, hein. Eh, il est beau quand même. Eh, il est quand même beau, hein. Nous on l'adore. Je l'aime, Carapuce. Ouais. Bah du coup on va virer Kazoo. Enfin, il est sympa, Psychoquack, mais enfin face à Carapuce, je veux dire un moment, vous êtes bien mignon, mais il y a pas photo quand même. Il y a pas photo, hein. Donc voilà. Donc Carapuce, hop là. Kazoo, ça dégage. Et on laisse la place quand même aux stars. Carapuce, qu'on va renommer. On va renommer Manu, bien sûr, Manu de le modo de la team Twitch, bien sûr, et TikTok, évidemment. Voilà. Regardez, on est pas mal là. Salut Kerastal. Bah on est pas mal là pour l'instant, on a une belle équipe, hein. On est pas trop mal. Ouais, j'aime bien. Ouais. Eh ben, trop bien. Ouais. Bon, bah, super. Du coup, on va aller où, là? On va aller à l'arène, c'est ça? On va aller se choper le troisième badge? Allez, on y va. Non, je vais en virer après, hein. Je vais tourner, Constance. Allez, on tranche. Allez, ça dégage. Alors là, je suis scié. Mais c'était du travail de professionnel. Maintenant que ton petit partenaire a tranché, il te reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Eh ben, c'est ce que j'allais faire, ça tombe bien. C'est exactement ce que j'allais faire. Allez, on y va. Emmène-moi à l'arène. Quel canaille. Alors là-bas, c'est des Pokémon de type électrique. Donc, bien sûr, on va prendre un Pokémon eau, histoire d'être fort face aux Pokémon électriques. Bien sûr, hein, on est totalement dans le thème. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Voilà, histoire qu'on soit fort face au Pokémon électrique. Parce que l'eau, ça, c'est plus fort que l'électricité. Voilà, donc on y va. On va la défoncer, l'arène. Une arène avec des poubelles? D'accord, mais c'est quoi cette... C'est quoi cette arène de gros dégueulasse, là? Vous pouvez pas sortir vos poubelles ou quoi, là? C'est quoi ce truc dégueu, là? Enfin, je suis pas n'importe qui, quoi. Je suis un dresseur. J'ai pas à avoir des poubelles partout là. Vous êtes vraiment des gros dégueux dans le jeu de mort. Je t'attendais, champion en herbe. Major Bob a un surnom. On l'appelle Mister Survolté. Ok, de tension, ouais. Mister de tension. C'est un expert en Pokémon électrique. Présage rien de beau face au Pokémon Ball. D'accord. Il est très prudent. Ne sera pas simple d'arriver jusqu'à lui. Oh, je vais y arriver. Hein. Et t'inquiète pas, vous. T'inquiète pas. On y va! Alors je dois appuyer sur les poubelles, c'est ça? C'est une poubelle rouge! Oui, bah j'avais vu. Et détritus, d'accord? Détritus, oui. Détritus, du coup. Ouais, en fait, il n'y a que des détritus, c'est ça? Détritus, bah voilà, c'est ça, c'est bien. Donc on va les battre.
Ok, voilà. Bah après c'est mieux dans une... C'est... Ça sert à ça à la base, une poubelle quand même. C'est de mettre des détritus à l'intérieur parce que sinon ça sert à rien. Harold le marin. Très bien. Ah, Magnéti. Magnéti, Magnéti. Vas-y, fais go. Attaque Fouillian. Vas-y, go. Ouais, c'est timide ça. C'est timide. Feuille. Je t'ai connu beaucoup plus. Oh merde, il est paralysé. Oh là là. Oh merde. Vas-y, tu vas lui faire une attaque vampigraine. Il va voir ce qu'il va voir. Vas-y. Lâche-lui tes graines. C'est beau, ça c'est beau. Un doublage de qualité là. Bien sûr. Voilà, on absorbe la vie de Magnéti. On n'est pas venu là pour enfiler des perles. Bien sûr que oui. Oh, en plus on reprend de la vie hein. Ça va être long quand même ce combat. Peut-être qu'on va faire une attaque charge. Oh non, pas de l'éclair. Ah, c'est pas grave. Vas-y, charge. Ouais, ça va être très long. Oulala là là. Ça va être méga long quand même hein. Merci beaucoup pour le follow Twitch. Ça va être très très long. Prends place. Ouais, bon, ok, c'est pas grave. On va rappeler Feuille. Heureusement que j'ai Lolono. Vas-y. Vas-y Lolono, on compte sur toi. Fonce. Lolono, Lolono. Vas-y Lolono. On compte sur toi. Lance-lui un caillou dans la gueule. Histoire de le remettre les idées en place. Jet de pierre. Go. D'accord, ouais, bon, ce sera après. Ce sera plus tard. Ce sera après. D'accord, bon. Allez. Complètement confus, complètement crazy. Oh non, putain, Lolono il se tape tout seul, mais qu'est-ce que... Oh non. Lolono, merde. Ressaisis-toi là. Il y a des gens qui regardent. Allez, s'il te plaît. Vas-y Lolono. Lance un jet de pierre. Oh mais merde, oh mais bordel. Mais c'est pas vrai, mais lance-moi tes pierres. Ah voilà, on est bon. Salut Eric. Heureusement qu'on absorbe la vie. Vas-y Lolono. C'est bien, ça fait plaisir. Un peu de PV. On n'en a jamais assez dans la vie. Allez, il lui reste pas beaucoup de PV. Une petite attaque. Quoi, Sonic Boom? Ah. Ah. Ça fait mal. Mais on a quand même réussi à vaincre Magnéti. Bravo Lolono, bravo Feuille également. Bravo le reste de l'équipe, vous avez rien foutu. Mais bravo à vous. Ah, oh, tu m'as eu par surprise. Oui. C'est bon. En fait non, c'est même pas vrai, qu'est-ce que tu racontes toi mon con là. Je ne t'ai pas eu par surprise. Espèce de gros mytho. Je t'ai bien regardé en face. Et je t'ai juste défoncé la gueule. Eh lui c'est un gros mytho lui. T'es vraiment un mytho, non non non. T'as juste le seum chérie, c'est tout. Alors va faire tes poubelles. Il a juste le seum. C'est un mec qui a grave le seum. Non, c'est faux. Je l'ai pas eu par surprise. C'est juste... je t'ai bien parlé en face et je t'ai dit, viens en combat. T'as grave le seum, c'est tout. C'est comme ça. Donc arrête un peu, quoi. Arrête un peu, Agnésie. Hein. C'est un mauvais perdant. Bien sûr que c'est une excuse, bien sûr. Attendez, j'ai plein de bonbons à donner, là. Alors, chacun va avoir son petit bonbon. Vas-y, Feuille. Voilà, t'es devenu plus fort. Bon. Qu'est-ce qu'il a besoin? Je pense que Eric, t'as besoin d'un peu de force. Ouais, parce que tu dois être un peu... ouais. T'es un peu mi-fig, mi-raisa. Qu'est-ce qu'il veut un autre bonbon? Pour la vitesse. Lolono, peut-être. Ouais, oh, bah, toi, t'en as besoin de beaucoup, Lolono. Hein. Allez, on te donne ça. Toi aussi. Super, allez. Constance, un peu de vitesse. Bon, t'es déjà bien rapide. Donc, laisse-en pour les autres. Hein. Toi, tu manges beaucoup, quand même, Constance. Donc, laisse-en pour les autres. Voilà, Manu, mange bien. Eloan, oh, toi aussi. Toi, t'es un puissant fond, Eloan. Donc, on se détend. Voilà, Lolono, mange un peu. Tiens, toi t'as la dalle. Hein. Et toi t'as beaucoup faim quand même. Hein. Sacré caillou. Eric, est-ce que t'as besoin de vitesse? Ou un peu quand même. Voilà, c'est... Voilà, t'as un peu de réserve, mais tu ne dis pas non. Ça m'étonne pas. Attaque spéciale. Bon, tout le monde va avoir un peu d'attaque spéciale. Salut Manu sur TikTok. Lolono, attaque spéciale. Voilà, Constance t'as la dalle. T'as toujours faim. D'accord, pas de soucis. Manu, oh, toi t'as beaucoup faim. Hein. Eloan, d'accord, ça marche. Eric. Ok, super. Allez, il en reste encore énormément à donner, j'ai que ça à foutre. Un feuille. Voilà, pas mal. La santé, les PV, c'est important, les PV. Constance. Putain, mais tu... Mais Constance.
Mais t'arrêtes pas de bouffer, toi. T'as tout à 60, là. C'est quoi ce bordel? Eh, Constance, on va la mettre à la diète. Non, ça va pas du tout, là. Non, mais attendez, Pikachu, il bouffe tous mes bonbons. Ça, c'est n'importe quoi, là. Non, non, allez, hop. Lolono. Oui. On va l'esquiver, là, Constance. Constance, elle pique tous mes bonbons, elle. Non, mais c'est quoi de cette merde? Non, non, c'est bon. Ah, ceux-là, ils peuvent pas les utiliser, d'accord. Toi, on peut? Vas-y, il augmente la défense spéciale. Voilà. On va en donner un peu à Eric, hein, parce qu'il a un peu la traîne. Hein, il traîne un peu la patte, Eric. On va en donner un peu à Eric. Le pauvre. Il est que niveau 16. Manu aussi. Ah là 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 là. Voilà. On va être bon là. Ouais, on peut pas. D'accord. Allez. Ouais, il traîne un peu de la patte, hein, quand même. Allez, là, on y croit. Ben oui, mon chien. Allez, on continue l'arène. Je vous jure. Bah ouais, je vais te nourrir, Eric. Regarde, je te donnais plein de bonbons. Kylian, l'électricien, veut se battre. D'accord, pas de soucis. Envoie Voltorb. Voltorb. En fait, ils ont tous le... ils ont tous la même voix. Ah, les Pokémon. Ça pourrait être Pikachu, il ferait. Pikachu. Ils ont tous la même voix. Hein. C'est formidable, ce doublage. Formidable. Allez, Foilian. Oh merde, il vient d'exploser d'un coup, là. Attends, il vient de se suicider, là. Ah, mais d'accord. Bah, d'accord. Super. Lolono passe au niveau 22. Bah, mais il est mort. Ah, il a notre Voltorb. Ok. Y'a pas de pizza. Peut-être dans les poubelles. Vas-y. Là, tu vas l'attaquer. Là. Là, tu lui mets un gros coup de Foilian dans la gueule. Bam. Et bam. Alors, pour voir mon écran complet, faut venir sur Twitch, Sacha. Allez, vas-y. Météore. Aïe. Ah, les étoiles, putain, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Non, y'a rien à graille. Allez, aïe, 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 ça fait mal. Ouille. Et ben voilà. C'est bon. Et impeccable. Feuille, il a gagné de l'expérience, bien sûr que oui. Est-ce que quelqu'un... Non. Personne ne monte au niveau. Bon, et ben on y va. Salut, au débit. Troisième dresseur. Troisième dresseur. Là, je pense que... Je pense qu'on est bon. Anatole veut se battre. Envoie un Pikachu. Pikachu. Je culpabilise pour ma vanne de tout à l'heure où je disais que tu devais un Pokémon, mais c'était du... Oula, mais non, mais t'inquiète pas, Dracaloria. Je ne suis pas vexé. Pas du tout, hein, t'inquiète pas. Oula, tu peux bien dormir, hein. T'en fais pas, Dracaloria. Alors partez du principe que si jamais j'aurais été vexé d'un de vos messages, vous ne seriez plus là sur le chat à commenter. Moi je perds pas de temps. T'inquiète pas, il y avait rien de méchant dans ce que tu as dit. C'était juste du second degré. T'en fais pas. Si vraiment j'avais culpabilisé, je t'aurais déjà viré de ma chaîne. Donc no problème. Non non, tu peux bien dormir. T'en fais pas. Salut Gilo, merci à toi pour le follow. Oh putain de merde. Oh merde. Oh là là. Oui, c'est une manette, la Pokéball. Bah, eh, tu doutes bien que je vais pas tenir une boule comme ça pendant deux heures, Juju, quand même. J'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. C'est pas juste pour de la déco, hein. Attention, je crois que je vais crever, là. Oh là là. Poisson. Oh là là. Je vais crever. Ouais, je crois que je vais mourir. Feuille va mourir. Non, Feuille, résiste. Feuille. Oh non. Oh. Il reste 2 PV. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et voilà, yes. En plus, Feuille passe au niveau 23. Incroyable. T'es pas réveillé, mais il est 14h30. Allez, Anatole. Allez, casse-toi de là, vieux papy. Ça dégage. Casse-toi de l'eau, hein. Non, mais c'est bon, un moment. Un moment. Tu fais trop rire, merci Léna. Non, mais c'est bon, un moment. Moi, je suis pas venu là pour enfiler des perles. C'est vrai, quoi. Il y a un moment, faut les mettre sur le droit chemin. Faut leur montrer qui est le patron, ici. Bon, enfin, il a pris cher.
Eh. Feuille, il a grave pris cher. Mais c'est bien battu, hein. Brave bête. Franchement, brave bête. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer sur des poubelles. Et que des... Non. Il y avait un délire, là. Je crois qu'il y avait des poubelles, je sais pas quoi. Un bouton fond de la poubelle. Voilà, j'ai appuyé sur un des boutons. Voilà. La première barrière est désactivée. D'accord. Elle est où, la deuxième? Oh, mais merde! Faut avoir de la chance. Il est encore là, moi, le bouton. Bon, en même temps, il peut pas disparaître, le bouton de la poubelle. Je veux dire, le bouton, il était au fond de la poubelle. Il peut pas se barrer, quoi. C'est pas un bouton qui prend des vacances. Oh, merde. Attends, mais il faut avoir de la chatte, là, en gros, là. Mais j'ai une chance sur combien de trouver le deuxième bouton de la poubelle? J'ai une chance sur... sur 15, là, 16? Mais fuck! Mais ça va être long, cette histoire, là. Mais où est le deuxième bouton? T'es là! Ah! Ah! Putain, ok. Ok. Là, je vais avoir de la chance. Je sens que le bouton, il est juste là. Ah! Oh là là, je vais le défoncer. C'est pas grave. Vous voyez le bouton? Vous le voyez? Regardez. Je vais faire un par un, ça va être le dernier Twitch. Non, mais exactement. Regardez, il est là. Poubelle bleue. Oh putain, il est là. Ah ah. Mais où est-ce qu'il est, ce fucking bouton de merde? Attendez. Je ressens les poubelles. Je le ressens. Est-ce que j'ai fait celui juste en face? Mais non, je l'ai pas fait. Il était juste en face. Ça me tue. Mais enfin, Twitch, TikTok, nous avons trouvé le deuxième bouton. Voilà. C'est bon. On va pas se faire électrocuter le fiac. Donc la direction. Voilà. Le maître de l'arène. Celui qui est survolté de tension. On va voir. Vous êtes prêts? Parce que là, ça va être un sacré duel. Un sacré combat Pokémon. Donc j'espère que vous êtes au taquet. J'espère que vous êtes en forme. Parce que là, on ne va clairement pas enfiler des perles. Je vais, bien sûr, changer mon équipe. Je vais appeler Lolono. Je vais déplacer, je vais le mettre en leader. Bien sûr. Et c'est parti, Blondiné. Montre-moi ce que t'as dans ta ceinture, tu vas voir. Bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée porte ouverte ou quoi? Et t'oses me défier avec ton petit niveau? Mais t'as pas froid aux yeux, soldat? Qu'est-ce que tu crois, toi? Eh, les combats Pokémon, c'est la guerre! Et compte tes dents, tu vas morfler, eh, mortachique, mon con, là! Eh, les Pokémon électriques, là, ils vont t'atomiser la gueule! J'en ai rien à foutre, moi, que t'es 12 ans! Eh, ok? Parce que moi, je suis pas venu là pour enfiler des perles! Donc, prépare tes Pokéballs et j'arrive! Alors, Major Bob, le champion veut se battre. Allez, on y va. Il va envoyer un Voltorb. Go! Il est vraiment vénère. Ouais, il est grave vénère. Faut qu'il aille boire du thé, hein. Qu'il boit une petite camomille, qu'il se mette bien, mais... Il a l'air vraiment très... très en colère. Par contre, il est niveau 25. Moi, je suis niveau 22. Je vais crever. Qu'on se le dise. Je vais mourir, hein. Ouais, non, mais je vais crever. Oh, mais ça va en fait. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est je vais faire piège de roc. Comme ça. Bam! Il va être piégé. Non! Piège de roc. Voilà. Comme ça, tous ceux qui vont arriver, ils vont avoir mal. Je crois que ça sert à ça, non? Je sais plus. Attendez, faut que je me soigne. Ah, j'ai peur. Faut que je me soigne. Attendez, bougez pas. Ok. C'est bon. Ça va aller. Vas-y, Lolono. Super potion! Super potion.
Arrête avec tes météores, bordel! Ah! Putain, mais j'ai mal, ça fait mal! Alors, attends. Ok, j'ai de pierre. Tu ne mourras pas. Non! Aïe, aïe! Ok. J'ai de pierre, go! Waouh! Attendez, je crois que je peux le tuer là. Je crois que je peux le tuer. Mais stop avec les étoiles! Ouille! Putain, il me reste que 10 PV. Oh non, bon sang! Ouais! Balta. Allez, casse-toi de là, là! Et un Pokémon de bord. On voit un Raichu! Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là, Clarisse! Clarisse! Oh, Raichu, mais personne ne t'aime, Raichu, t'es trop moche. Oh non, attends, bouge pas. Raichu, t'es clairement l'évolution que personne ne veut, quoi. Enfin, franchement, t'es pas beau, Raichu. Je veux dire, il y a Pikachu, un moment. C'est dur à dire, mais t'es un peu la sous-marque, quoi. T'es un peu l'évolution ratée. Double pied, mais fous les toits dans ta gueule. Aïe. Aïe. Ok, vas-y. J'ai de pierre. Compter sur toi. Non! Ah, misère! C'est pas grave. J'ai feuille! Vas-y! Vas-y, feuille! Feuille! Ok, feuille. On croit en toi. Je croyais en toi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer une vampigraine, histoire de te pomper ton énergie. Non, pas un tonnerre. Non. Aïe! Putain, mais merde! Tiens, bouffe mes graines. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire, Raichu, là? Qu'est-ce que tu vas faire, Raichu? Comme ça, je me protège. Et toi, tu te fais piquer. Voilà, ton PV, là, tes PV. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Puisque je vais te mettre un petit coup de fouillane. Merci beaucoup pour le follow Twitch. Et encore 8 followers. Et on passe le cap des 5100 sur Twitch. Merci à vous. Oh là 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 là! Je lui pompe l'énergie! Attendez, c'est pas grave. Je vais tout donner. Ok. Let's go! Non, mais tonnerre! Ah, mais ça pique! Vas-y. Bam! Donne-moi ton PV! Il lui reste ça de PV, vous le voyez pas, TikTok? Mais il lui reste ça! Il lui reste un pet fouf là, vraiment pas grand chose. Oh là 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 là. Aïe! Ah, vas-y. Là c'est le moment. Oui! Yes! Salut mec, comment ça va? Et impeccable! Manu qui monte au niveau 17! Oh génial! Eloan qui monte au niveau 23! Super! Quelqu'un d'autre? Major Bob, envoie un Magnéti! Est-ce que je change de Pokémon? Non, je ne changerai jamais. Vas-y, Magnéti. Magnéti. Manne-toi le cul, tu vas voir. Attends, tu vas voir ce que tu vas voir, Magnéti. Je vais te remettre également un Vampigraine, histoire de me protéger. Vas-y, go. Non, pas tonnerre, non. Ah, putain de merde. Mais je commence à l'avoir marre. Oh là là, mais fuck. Alors, vas-y, c'est bon. Là, je veux pas me laisser faire. Feuille, on compte sur toi. Feuille, c'est le moment. Montre-lui ce que tu sais faire. Lance-lui une poudre toxique. Putain, ça n'affecte pas. Ah! Non, Feuille, non! Ah! Au revoir! Oh, merde. Feuille est tombée. Feuille est mort. Lolono également. Il ne reste plus que Constance, Eric et Loan. Oh Manu! Je vais essayer avec Eric. Je vais tout tenter. C'est allé. Vas-y! Vas-y Eric! C'est le moment! Crache-moi la flamme! Qui est en toi! Vas-y! Wow! C'est super efficace! Vas-y, résiste Eric! Ah! Eric, il est KO! Oh merde! Il a juste le temps de cracher! Et il est mort. Oh merde. C'est pas grave. On va demander à qui? On va demander à Eloan. Vas-y.
C'est comme ça. Allez, vas-y, Eloane. C'est le moment. Montre-nous ce que tu sais faire. Attaque cruelle. Let's go. Oh, mais fuck. C'est pas grave. Oh non, il va se transformer en KFC. Ah. Non. Mais quel enfoiré, ce Major Bob. Quel enfoiré. C'est pas grave. Parce que heureusement que j'ai Constance qui est là. Merde, je me suis trompé. C'est pas Constance, c'est Manu. Oh mais fuck. Mais attendez, mais il y a trop de... Je ne sais pas quoi faire. Je vais te lancer écume. Bah ça fera rien, c'est un Pokémon... Oh, il va crever. Aïe Manu. T'es beau, mais t'es nul. Bye bye. Oh mais fuck. Aïe aïe aïe. Ah là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Mais j'ai Constance en dernier recours. Est-ce que Constance va réussir à sauver ce combat? Est-ce qu'on va réussir à vaincre Magnéti? Magnéti. Constance, tu es notre dernier espoir. On mise tout sur toi, putain de merde. Vas-y Constance. Pika Sprint. Vas-y, go. Waouh. Waouh. Incroyable Constance. Incroyable. Non, dis non tonnerre. On dit non. Vas-y Constance. Montre-leur. Absorbe les PV. Fais-toi plaisir. Alors ça c'est beau. Il lui reste pas grand chose. Est-ce que Constance va réussir à sauver ce combat? Est-ce que Constance, grâce à Constance, on va remporter? On va remporter le badge. Est-ce que c'est le moment? Les amis. Oui. Oh là 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 là. Magnéti et KO. On a gagné le badge. Bravo. Samba. Bah alors là c'était clairement un combat de malade. Là il y avait de la tension. C'est le cas de le dire. Il y avait quelque chose. Il y avait ce truc. Il y avait ce suspense. C'était complètement crazy. Bravo à tous, bravo. Waouh. J'ai senti les émotions. Je vous ai senti très investi, TikTok et Twitch. Sachez-le, je vous ai senti à fond dans le combat. Et ça, ça me fait terriblement plaisir. Maintenant, est-ce qu'on fait apprendre souplesse à la place de vive attaque? 40 de puissance. Je pense que je vais apprendre souplesse. Ouais. Ouais. C'était tendu comme un slip. Ah, mais oui. Je dirais même c'était tendu comme un string, littéralement. Allez, bye bye! Bye bye! Ouais, mais c'est impossible, mais t'es vraiment trop fort, gamin! Mais bien sûr! je maîtrise les boules comme personne! Bien sûr, bien sûr! Allez, donne-moi l'argent! Et ça dégage! Donne-moi les flouzes! Oh, quoi? Oh là là! Quoi? Merci beaucoup pour le sub. Merci infiniment. Merci Kirastal pour le sub. Et regarde, Manu, Manu, tu évolues. Oh là là, mais ce live plein de surprises. Il évolue. Regardez. Regardez. Waouh. En carabas. Non mais alors là c'est complètement dingue. Mais ce live il est je suis oh. Les données du Karabakh ont été ajoutées au Pokédex. Bravo. Oh là 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 là, mais je suis tout ému. Enfin je suis Fabien, mais je suis ému quand même. Ah, il est colère. Alors lui il est colère. Il est très colère. Oh, tire à loin toi. Très bien. Prends le badge foudre. C'est mérité. Allez,
On tape dans la queue. Ouais, génial, ouais. Vous obtenez le badge foudre. Et c'est pas tout. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien de recevoir ceci en bonus. Prends-en soin. Vous obtenez une dédicace de Bob. Mais j'en ai genre strictement rien à foutre de ta dédicace. Non mais qu'on se le dise. C'est quoi la dédicace de Bob? Mais moi je vais me torcher les fesses avec ou quoi à la fin? C'est qui la star là entre nous deux là? Je veux dire, qu'est-ce qui vient de se prendre une dérouillée par un gamin de 12 ans? C'est moi ou c'est lui? On est bien d'accord, hein? Voilà. Donc Bob, je n'en veux pas. Merci à toi. Bien, on met dans le sac. C'est quoi cette air déçue? T'attendais autre chose? Bah ouais, j'attendais pas une dédicace quoi, je veux dire, ça va finir dans les chiottes, enfin c'est tout, c'est là où ça va terminer. Donc oui, je suis carrément, je suis même pas déçu, c'est genre, non déçu, le mot il est faible. Je peux pas être déçu parce que j'en ai genre strictement rien à foutre. Donc c'est juste, je te fais un bombastic side eye quoi, genre je te regarde un peu. Genre je m'en branle quoi, littéralement. Oh je blague, tiens cadeau, ah. Ah, ben voilà. Oh, quel canaille. Oh, bah tu m'as eu, là. Eh, tu m'as eu. Eh, comme quoi, t'as une décolo dégueulasse, mais t'as de l'humour. Comme quoi, il faut pas se fier à la coupe de cheveux. Donc, merci à toi. Merci pour le truc tonnerre. Mais bien sûr, ça dépote à 10 000 volts. Génial. Voilà, ça m'a dépoté. Mais qui dit dépoté encore en 2020, en 2024? Personne ne dit dépoté. Personne. Ça dépote. C'est comme hier. Hier j'ai dit YOLO. Chose que je n'ai pas dit hein. J'ai reçu des messages privés sur TikTok. YOLO c'est pour les vieux. Non mais je suis au courant, c'est du second degré hein. Mais YOLO quand même. Allez on y va. Let's go. Allez on sort là de cette arène là. On sort de cette arène qui pue là, ça sent la mort. Ça sent la poubelle. Ça pue. Ça pue. Voilà. Allez. Les arènes. On a l'arène. Oh bah c'est génial. Eh bah moi je suis trop content. Eh. Je suis vraiment trop content. Il m'en fallait pas plus. J'ai le troisième badge. Je suis content. On va aller les faire soigner. C'est pas... Non c'est pas là. On va aller faire soigner les Pokémon. Oh y'a Ondine. Salut toi. Ah salut la femme. Ah c'est bon t'as gagné contre Major Bob. Ah bah toutes mes félicitations alors. Tu progresses à pas de géant, c'est un truc de fou, laisse-moi chuchoter un peu ton équipe. Elle a bien mérité et toi aussi je te chuchote un peu. Voilà, regarde je te soigne. Oh tu t'es blessé un petit peu ici. Oh c'est quoi? C'est quoi cette grosse bosse? Ah quoi? C'est pas une bosse? Excuse-moi pardon. Oh hein? Qu'est-ce que je fais ici? Ben je vais piquer une tête dans la mer pardi. Ah ouais moi les piscines c'est bien beau mais j'adore la mer. Donc j'aime bien varier en allant profiter des vagues. Et toi? Tu vas où comme ça mon petit? T'as fait un tour dans la grotte Topeka? Hein? Tu vois pas où c'est? Oh ben je peux t'y emmener, ça te dirait ou pas? Mais bien sûr que oui. Allez super, on y va. Allez en route. Let's go. On va au Topeka. Bah ok, bah super. Elle est super gentille cette dame. Et voilà. C'est la seule et l'unique, la grotte Topeka. Et dedans tu retrouveras des Topeka. C'est pour ça qu'elle s'appelle grotte Topeka. Bisous et fais attention au Topeka. Vu que c'est écrit Topeka. Bon, je pense qu'on va y trouver des topiqueurs. Elle est chou, ouais. Je pense qu'on va y trouver des topiqueurs. Je suis pas sûr, mais... J'ai comme l'impression que... Ça sent les topiqueurs. Je suis pas sûr. On va voir. Oula, par contre, il y a un vieux... juste devant, là, ça fait peur. Il paraît que ce sont des topiqueurs qui ont creusé... J'ai cru, ouais. J'ai cru que c'était des topiqueurs dans la grotte topiqueurs. Bon, on va aller voir. Je suis ultra perspicace. Tu crois qu'il y a qui comme Pokémon dans cette grotte? Viande. Je pense qu'on va y trouver des Topeka. Alors, on va voir. Oh! Mais c'est Topeka! Et je sais déjà qui est-ce. Comment je vais le renommer? Bien sûr que oui, je vais vous donner l'explication juste après pour ceux qui connaissent la personne. Go! Excellent! Un topiqueur vraiment! Ouais! Vous avez attrapé Topeka.
Et voilà, Topicker nous rejoint dans le Pokédex. Et il est vraiment top, ce Topicker. Oh là là, l'humour. Oh là là, super. Bon. L'humour. Complètement crazy, le gamin. Bon. Bon. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a aimé ma blague. Hein. Ah, bah non. D'accord. Ça, c'est les jaloux. C'est parce que vous avez pas d'humour. Bande d'aigris. Vous êtes que des aigris. Voilà. Vous ne connaissez pas l'humour et la good vibe. Vous êtes aigris. Aigris. Enfin, vous êtes ce que vous voulez, je m'en fous. Bon. Bien. Alors, je vais renommer le Topicker. Attendez, where is la boîte Pokémon? Là où il y a écrit boîte Pokémon, du coup. Moi. Alors, je vais renommer le très cher Topicker. Je vais le renommer en Hinata. Tout simplement parce que Topicker se transforme en Trio Picker. Et Hinata a plusieurs personnalités. Hinata, Hinato et Hinatu, pour ceux qui connaissent. Donc du coup, c'est très bien. Un trio, trois têtes pour ces trois personnalités. Hinata, welcome dans l'équipe Pokémon. Voilà, c'est impeccable. C'est génial, ça lui va super. Et je trouve que ça y va nickel avec le Hinata, Hinatu, Hinato. Donc top. Là, on peut pas faire plus ciblé en termes de Pokémon. Hinata, prends place. Et d'ailleurs, est-ce que je ne t'échangerai pas? Est-ce que je te mettrai pas à la place de Rakayu? Au moins le temps de te faire évoluer. Allez, on est complètement dingue. Attendez, je vais mettre Manu en premier. Allez. Non! Putain, mais je fais vraiment de la merde. Oh là là. Et moi, j'arrive pas à contrôler mon stick. Enfin, celui-là. J'ai vraiment du mal à le appuyer dessus. Hein. Vraiment. Attendez, faut que je le mette là. Voilà, donc toi, on te déplace en tout premier. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'est tout, hein. C'est tout. On est d'accord. Allez, on y va. Bien sûr. Bah oui, c'est Hinata, Hinato, Hinatu. Salut, Psyllium, comment ça va? Oh là. Encore un... Allez, on prend. Et on prend tout, C'est ambigu ce que tu viens de dire. Moi? Quelqu'un d'ambigu? Qui joue au second degré? Et qui aime faire des phrases qui ont plein de sens? Non, c'est pas du tout. Ben, c'est pas du tout mon genre. C'est pas du tout ma marque de fabrique. Ben non. C'est pas du tout pour ça que je suis connu. Dans ce milieu de mort. Ben non, mais attends. Topicker, go! Évidemment, j'adore ça. J'adore faire des phrases ambiguës, de créer des situations gênantes, des situations un peu cocasses, des situations un peu crazy. Donc j'adore ça. J'adore. Salut Célia. Allez, un autre Pokémon. Eh, j'ai pas eu de Pokémon Shiny. Alors, est-ce qu'il y a que des Topicker? Est-ce qu'il y a que des Topicker dans la grotte Topicker? Ou alors il y a également des... d'autres Pokémon, du style Nosferapti, où il y a que des Pokémon. C'est vraiment qu'une grotte Topicker. Genre, personne ne rentre. Si t'es pas un Topicker, tu rentres pas. T'as pas le droit. Il y a que les Topicker qui rentrent. Eric, tu montes au niveau 17. Tu veux lance-flamme? Bien sûr que oui, on va t'apprendre. Bien sûr. Et on va à la place. On va enlever. Bah, hurlement, je crois que tout le monde s'en branle. Hein? On s'en fout, hein. À Live Animal Crossing, ça doit être la semaine prochaine, je pense. Mon planning, il est tous les lundis. Sur Twitch, sur Discord aussi, n'hésitez pas. Tous les lundis, vous avez le planning. Allez, Eric, il apprend lance-flamme. Ça, c'est une très très belle âme. Très très belle attaque. Salut, Xeno. J'adore ça. T'es AR combien sur Genjin? Viande. Allez, on y va. Moi, je pense qu'il va y avoir un autre Pokémon que Topicker. Oh! Oh, mais je sais qui est-ce que je vais l'appeler!
Ah bah voilà, impeccable. Le vénard. Ça c'est pour une modo, génial, impeccable. Let's go. J'ai rattrapé la boule. Et rentre dans la boule. Rentre dans la boule. Rentre. Ah quoi. C'est pas grave le vénard. Ok. J'ai lancé trop haut. C'est pas grave. Attends, bouge pas. Ah. Oh non. Mais non, c'était pour Yaya. Yaya, elle a choisi le vénard. Enfin, elle a pas choisi, c'est moi qui ai choisi, mais... Elle a dit oui. Oh putain, non. Alors, je bouge pas de la grotte tant que j'ai pas le vénard. Ça pourra prendre 30 minutes. Je m'en fous. Il reste une heure de live. Je ne bouge pas. Ne serait-ce petit, je l'ai ou pas? Est-ce que je l'ai ou pas? Si y a la Pokéball, ça veut dire que je l'ai, hein. C'est ça ou pas? Je sais plus. Oh, on l'a. Oh, putain. Oh, je suis deg. Je suis pas un vénard. Juju, cette blague, elle est très drôle. Je suis pas du tout vénard, là, Juju. Là, non. Alors, là, non. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Bon, vas-y, Eh, fuck la chauve-souris là, dégage. Vas-y, casse-toi là. Putain, mais nous on veut le vénard. Ah bah c'est mort, je bouge pas. Je sais qu'il y a un levénard ici. Je l'aurai. Ça mettra énormément de temps, peut-être. Certainement. Je vais peut-être suer corps et âme. C'est pas grave. Je bélièvre. Je crois avant mes rêves. Je vais y arriver. Je ne bougerai pas de cette grotte. Topiqueur, alors qu'il n'y a pas que des topiqueurs. En plus, vous êtes vraiment des gros mythos dans le jeu. Parce que vous dites grotte topiqueur. Il n'y a pas que des topiqueurs. Donc arrêtons. Vous avez qu'à appeler Grotte Topiqueur et compagnie. Ou Grotte Topiqueur et ses amis. Mais Grotte Topiqueur, ça insinue qu'il n'y a que des topiqueurs. Alors qu'au final, il y a des levénards. Il y a également des Nosferapti. Il y a également des, je suppose, des triopiqueurs. Alors même si c'est l'évolution de topiqueur, triopiqueur, c'est pas un topiqueur. Parce qu'on peut pas dire à un triopiqueur, t'es topiqueur. Non, parce que ce serait le dénigré. Triopiqueur, c'est triopiqueur. Il en a bavé pour être triopiqueur. Donc je veux dire, arrêtons de mentir comme ça. Une grotte, c'est une grotte, ça annonce, c'est pas pour rien. Donc renommez bien les grottes la prochaine fois. Parce que tout le monde peut se tromper. Et en plus, ça attirera moins de monde. Parce que pour les gens qui n'aiment pas topiqueur, ils vont certainement pas passer dans la grotte topiqueur. Ils vont aller ailleurs, ils vont prendre le bateau, ils vont prendre, j'en sais rien, un avion. Mais ils vont certainement pas passer dans cette grotte de mort. Bien, donc où est-ce qu'il est le vénard? Je ne bouge pas de là. Je ne bouge pas de là. Tu vas jamais le retrouver. Alors là, Léna, tu ne me connais pas bien. Je préfère te le dire, tu ne me connais pas. Je suis quelqu'un de obstiné. Je suis quelqu'un qui a trouvé les 1000 Korogu. Les 900 Korogu également de Breath of the Wild. Je finis quasiment tous mes jeux à 100%. Et en plus, j'ai des beaux cheveux. Donc ce qui veut dire que je vais y arriver. Je suis obstiné. Je vais réussir à retrouver ce levénard. En évitant de marcher sur des fucking topiqueurs. C'est pas grave. Go! Je vais y arriver. Essaye d'utiliser un parfum. Ah ouais? Le parfum, c'est pour attirer des Pokémon rares? Ah ouais? Le parfum, ça sert à attirer des Pokémon rares? Ah! Ah bah c'est un peu le même principe que les Michto finalement. Quand elles mettent du parfum pour attirer les clients rares, c'est à peu près pareil. Oh bah Triopiqueur! Bon, je le prends mais je vais pas le renommer. Hein. Bah voilà! Ah c'est presque pareil! C'est le même principe du parfum! D'accord! C'est pour attirer les clients fortunés! D'accord! Ouais, c'est à peu près même délire. D'accord. Eh ben, merci l'info, je vais essayer, Alex. Eh ben, on a également Triopiqueur. Manu qui monte au niveau 18, c'est beau. Feuille au niveau 24, c'est beau. On va essayer de mettre un peu de parfum. Eh, le Vénard, t'as intérêt à revenir. Eh, on peut faire une prédiction pour savoir est-ce que je vais réussir à attraper le Vénard ou pas. Pour que les gens puissent miser leurs points.
s'il vous plaît, les modos. Merci, gentil. Alors, sac. Parfum. Une substance qui fait apparaître les Pokémon rares plus facilement pendant un court moment. Donc, normalement, on est bon. Merci pour la prédit. Vous pouvez miser vos points tout en haut, Twitch. Est-ce qu'on va retrouver le Vénard ou pas? Tout en haut. Voilà, n'hésitez pas à miser vos points. Votez oui, votez non. Votez bien. On va voir. Voilà, j'ai mis un maximum de Scorpio, histoire de l'attirer. Normalement, ça va le faire. Je vais l'attirer avec ce parfum. Ouais, parce que le Scorpio, c'est vraiment le meilleur des parfums. C'est celui qui sent le plus... qui sent le meilleur. Hein, c'est... Ce parfum, il sent terriblement bon. Donc, normalement, ça devrait aller. Le Vénard, il va arriver. Regardez. Le Vénard. Sens mon parfum, le Vénard. Sens comment je sens bon, le Vénard. Vas-y, sens mon parfum, le Vénard. Le Vénard. Sens mon parfum. Oui! Ah, t'as senti mon parfum. Je m'en doutais. Allez hop! Et ben voilà, il est là, le Vénard! Let's go! Oulala, mais est-ce que je vais le capturer? Reste dans la boule! Reste dans la boule! Vas-y! Oui! J'ai attrapé le Vénard! Oh là 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 là! Le Vénard! Ouais! Constance passe au niveau 25. Oh mais quel jeu. Eloane passe au niveau 24. Et Hinata passe au niveau 16. Oh mais c'est incroyable. C'est incroyable, on est trop fort. On est trop fort. Salut Haruko. On est beaucoup trop fort. C'est comme ça hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Allez on y va, on est beaucoup trop fort. Alors du coup je vais renommer le Vénard en Yaya. Parce que c'est Yaya qui voulait, enfin elle voulait pas. Mais je trouvais que elle avait ce côté un peu j'aide les gens, à l'écoute. Salut Fanny, à l'écoute. Voilà, donc je me suis dit, toi c'est un bon Pokémon. Ça te va terriblement bien, très cher Yaya. Donc voilà, on va la renommer en Yaya. Oh putain, bah déjà appuie bien sur le bon bouton, on y arrivera. Merci pour les GG Twitch. Et on continue, hein. Yaya. Oh ya ya, y a pas moyen ya ya. Ok impeccable, génial. Bon pour l'instant le Yaya je vais, elle a pas d'évolution le Vénard. On est d'accord hein. Bon on peut se barrer de la grotte là, c'est bon j'ai tout. On peut se barrer. L'effet du parfum s'est dissipé. Oh merde j'appuie sur oui. Oh mais oh. Mais qu'est-ce que je suis nul. Je suis vraiment nul. Oh là 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 là, ouais il a pas d'évolution hein. Bravo tous ceux qui ont gagné des points sur Twitch. Bravo. Bon j'ai attrapé encore un topiqueur, pas grave. Ouais il a pas des... Ouais je commence à avoir un paquet de followers ouais dans la team des Pokémon là. Oh Eric tu passes au niveau 18. Bravo Eric, bravo. Sans rien faire, c'est incroyable. T'as tout compris. Bah si en fait, si tu... Je te promène hein. T'es quand même là hein. Eh, hey, t'es quand même derrière moi, Eric. C'est pas rien. Quand même. Je suis mauvaise langue. Non, non, t'es quand même là. Eh. Hey. Quand même. Bon, on est arrivé là. Nanana. Alors, on est où, là? Flavien. Salut, tu te souviens de moi? Je suis l'un des assistants du professeur Chen. Quelle chance de tomber sur toi. J'ai justement quelque chose d'éblouissant à te montrer. Mais pas ici. Il nous faut un endroit plus sombre. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que tu vas me montrer, toi? Retrouve-moi à l'intérieur! Alors, moi, je ne connais pas le monsieur. Hein. Alors, je veux bien rentrer dans la maison, mais... Salut, Finarel! Ça craint, quand même. Ah! Ah, ça va, il y a quand même un gamin. Bon, il y a un gamin qui est au coin, là, j'ai l'impression, là. Il a puni son gosse ou quoi là? Je comprends pas. Pourquoi son gamin il est puni? Il faut absolument que tu vois ça. Après des années d'efforts, je viens tout juste d'avoir une illumination.
J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière. Je vais te montrer, mais d'abord, il faut éteindre la lumière. Oulala, où est là ? Voilà, il fait tout noir. C'est parfait. Oulala, qu'il fait tout noir. Bon, c'est qui ça ? C'est qui là dans le noir ? Oh, c'est quoi ça ? Oh, oh, il faut juste faire le vide. Dans son esprit, fais le vide. Respire profondément. Respire, mon petit, respire, vas-y. Ressens le monde autour de toi. Est-ce que tu ressens ? Tu ressens quoi, là ? Tu ressens ? L'obscurité la plus profonde. Oh là là. Face, place à la lumière. T'as vu ça ? Ça t'embouche un coin, hein ? Bah oui, pas besoin d'électricité pour y voir clair. Il suffit d'avoir une force mentale. Voilà, mon aura inonde la salle de lumière. Tu veux que je te la prenne ? Avec grand plaisir. Ton Pikachu va apprendre ma technique ? Eh ben, quoi ? Il connaît déjà la TS tranchage ? Mais ouais, mais c'est complètement dingue ! En tout cas, ça pourrait être intéressant. Voyons voir s'il peut maîtriser ma technique. J'éteins la lumière. Vas-y, Pikachu, j'ai éteint la lumière. Fais le vide dans ton esprit, petit Pikachu. Mais alors ? Respire, Pikachu. Allez, vas-y. Respire donc. Ressens. Ressens le monde autour de toi. Est-ce que tu ressens le monde autour de toi, mon petit Pikachu dans le noir ? Laisse place à la lumière, mon petit. Ouais ! Voilà. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les ténèbres, mais tout ce qui est dans les ténèbres reste dans les ténèbres. Évidemment. Et en plus, c'est Constance. Donc, si vous avez besoin de poser des questions, c'est à Constance. En tout cas, elle a appris la TS Lumière. Ton Pikachu est vraiment un petit génie, alors n'hésite pas à faire appel à cette technique secrète. Comme ce ne sont pas des capacités, ton partenaire peut les utiliser, même s'il n'a plus la force de se battre. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé, hein. Merci pour les follow sur TikTok. On sait pas ce qui s'est passé, mais... Eh, je vous le dis souvent, parfois il faut se donner à fond pour y arriver dans la vie. Faut se donner à fond, il faut pas perdre espoir, et il faut pas avoir peur de retrousser les manches. Donc, c'est normal. Il faut se donner, les gars. D'accord ? Donc, bravo, Constance. Tu as appris une nouvelle technique. On est fiers de toi. Yop, Flavien. C'est bon, l'assistance t'a enseigné la technique secrète lumière. Quoi, mais c'est pas toi qui l'as appris, c'est Constance ? Mais c'est complètement fou, en fait. Je connais un coin où cette technique pourrait bien te servir. C'est pas loin, tu veux que je t'y emmène ? Bah, allez. On y va. Vas-y, c'est cool. Eh, suis-moi, mon petit. Bah, vas-y, let's go. Je te suis. Eh bien, ils sont gentils dans ce jeu. Ils nous amènent vraiment là où on doit aller, hein. C'est sympa. Alors, une fois que tu sors d'Azuria par l'est, eh ben tu vas par là. Et si tu continues, tu vas tomber sur la grotte sombre. Alors, fais attention parce que... Ben, c'est sombre. Voilà, donc, heureusement que t'as la lumière. Et attention où tu mets les pieds parce que parfois, il y a des trous. Allez, amuse-toi bien. Salut, mam. Est-ce qu'on doit soigner notre team ou quoi, là? Est-ce qu'ils sont tous morts ou... Non, c'est bon. Ok. Allez, on y va. J'adore les grottes sombres. Allez, on y va, c'est parti. Salut, mam. Bah, écoutez, moi, je suis ravi. Si on doit aller dans des grottes, je suis ravi. Oula, regardez, il y a des Pokémon que j'ai pas. Il y a Nidoran, il y a Rapace des Pics, je les ai pas. Je les ai pas. Très intéressant. Allez, let's go. Evoli. Ouais, Evomi. C'est Evomi. Manu, go. Ah, je crois qu'il va prendre cher. Il est pas assez fort, Manu. Je pense qu'il va... Il va prendre cher. C'est quel Pokémon? C'est Let's Go Pikachu. Il va prendre cher, Evomi. Oh, mais merde. Oh, bon sang. Oh, puis il nous montre sa queue, là. Oh, hé, ça va pas ou quoi, là? Oh. Il y a des gamins qui regardent. Ça capture des shiny, pas du tout. Ah non, alors moi je suis nul pour capturer des shiny. Alors moi, je ne suis pas du tout intéressé par les shiny, ceux qui brillent là. Les autres couleurs, pas du tout. C'est quel Pokémon? C'est Let's Go Pikachu, TikTok. Et je vais le défoncer, Evomi. Alors Evomi, je vais vraiment te défoncer la tronche. Voilà. Salut Louis. N'hésitez pas à venir sur Twitch. N'hésitez pas. Ouais.
Franchement, c'est des gros pervers, ça me dégoûte. Ça me déglingue. Merci. Ah ouais, ça me déglingue. En plus, vous savez, moi, je fais en sorte pour pas qu'il y ait de sous-entendus. Voilà. Je fais en sorte que mes lives soient adaptés à tous. Que vous soyez un tel ou un tel. Qu'on soit pas dans le graveleux ou dans l'humour un peu bof. Non. Jamais. Non, mais je crush pas sur des Pokémon, voyons. Non, alors, le concept de Pokémon Let's Go sur Twitch, c'est que je capture des Pokémon et je les renomme avec le nom de mes viewers. Tu respectes pas Evoli. Oh ouais, mais tout le monde s'en fout d'Evoli aussi, hein, qu'on dise les termes. Je veux dire, Evoli, il est là. Il est mignon, je suis d'accord avec vous. Mais on n'a qu'une envie, c'est de le faire évoluer. Ce qui nous intéresse avec Evoli, c'est pas Evoli. C'est les évolutions, c'est Pyroli, Mentali, Poiloli, enfin, vous voyez toutes les évolutions. Je veux dire, il est sympa, lui, oui, mais... on préfère les autres, quoi. On préfère Mentali, Noctali, tu vois, Ravioli, enfin, ouais, voilà, c'est ça. On est d'accord, hein, Poiloli. Merci pour le follow Twitch. Merci, Tsumi, comment ça va? Bah, ouais. Poiloli, ouais, c'est un Pokémon du style... du style drap. Très drap. Attendez, on va changer de Pokémon parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ravioli, il est incroyable. Ouais, il est incroyable. Lui, c'est type viande. C'est plus viande. On va appeler Eric. Avec son gros lance-flamme. Vas-y, Eric. Montre-nous. Montre-nous ton lance-flamme. Mon très cher Caninos. Oh putain, mais l'autre, elle nous dégueule. Alors, Ortide, c'est un Pokémon que j'aime bien. J'aime bien. Mais par contre, la bave comme ça qui coule, c'est pas possible. Regardez cette bave là au coin de la bouche, ça va pas du tout. Non, mais franchement. Eh, mais franchement. Attendez, on va le regarder. Montrez-nous. Oh, regardez, ça me dégoûte. Voilà. Arrête de baver. Non, c'est dégueulasse. Oh là 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 là. Je ne veux rien de graveleux, s'il vous plaît. Je ne veux rien de graveleux. Voilà, c'est de la bave. Bien sûr, c'est de la bave. Bien sûr. C'est de la bave. Allez, lance-flamme. Allez, bye bye, Ortide. Bye bye. On dirait qu'il a la rage. Non, mais tellement. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Bien sûr. Et Geneviève de Fontenay. Ah, tu t'es bien défendu. Bien sûr. Allez, deux super boules. Allez, ça part. Allez, ça dégage. Bien sûr. Alors, on va continuer là. Regardez, il y a des Pokémon que j'ai pas. Viens là, rapace des pics. Putain, mais en plus, ils sont complètement cons. Ils viendront jamais vers moi. L'odeur du parfum. Attendez, faut que j'aille les chercher avant qu'ils disparaissent, non? Ah, que faire de l'énergie que je perds? Bon, allez, c'est pas grave. On va prendre la Pokéball. Une super potion. Lui, il va avoir des racailloux et des machocs. D'ailleurs, machocs que j'ai toujours pas. Allez, on y va. Je suis en live jusqu'à 16h. Et après, on se retrouve ce soir, on joue à Gartic Show avec la commu Twitch. Vous allez voir mes talents de dessinateur. Et il y a des badges Discord à remporter. En gros, il faut venir sur le Discord si vous êtes toujours pas membre. Let's go. Et il faut venir absolument sur Twitch. Ça ne marche pas sur TikTok. Voilà. Le vendredi soir, je dédie ma soirée à la commu et commu Discord. Ok. Ouais, mais vas-y, j'ai que écume là. Putain, mais moi je veux une pistolet à eau là. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire avec des petites bulles? Mais je vais rien faire avec des petites bulettes là. Ah, bah si, il est mort. Bon, bah, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon, excuse-moi Manu, je t'ai pas respecté, excuse-moi. Désolé, pardon Manu. Je suis sincèrement désolé Manu. Je suis sincèrement désolé. Manu, je pensais que... Ouais, j'avais pas du tout confiance à l'attaque. Je suis sincèrement désolé Manu. Sorry. I'm very sorry.
Non, vraiment, pour le coup, j'aurais pas misé sur tes petites bulles. Donc, ça marche, tant mieux. Voilà, donc des bulles vraiment bulantes. Ouais, tout le monde peut jouer de petites plumes, ouais. Ça se passe sur le chat, Twitch. Et en fait, vous allez noter... je vais vous faire dessiner des... Enfin, je vais dessiner, je vais vous faire deviner un mot. Et celui qui a le plus de points, il remporte un badge Discord. Donc le mieux, c'est d'être sur le Discord. Si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas remporté si jamais vous gagnez, c'est con. Donc soyez sur le Discord. Si vous n'avez pas Discord, téléchargez Discord. Si vous n'avez pas téléchargé Discord, téléchargez-le encore. Ah, regardez, je l'ai pas. Regardez, je l'ai pas. C'est Nidorina, lui. Non, Nidorino. Oh, Nidoking. Nidoking. Mais attendez. Qui est-ce qui a un king? Ah, oh, j'hésite. J'hésite à le donner à Val. Parce que Val, c'est quand même le king des proutes. Mais Val, je trouve que... Val, il aurait plus... il aurait plus l'allure d'être en Machoc, Val. Machoc, Machopper, genre... Bouah. Bouah. Je le vois plus en Machoc, Val. Ah, oh, le roi Link, c'est pas con. Constance. C'est carrément pas con. Le roi Link, mais totalement. Très bonne idée. Très très bonne idée. Eh ben impeccable, c'est une très bonne idée. Pour le roi Link qui sera Nidora. C'est une très très bonne idée. Impeccable. Hinata monte au niveau 17. On dirait un rat. Mais je sais pas ce que c'est vraiment, c'est un lapin je crois, non? C'est censé être un lapin? Un lapin qui a Ken avec un rat peut-être, ouais. Bah après vous savez, hier Babalolo... on ne sait plus qui est quoi. On ne sait plus qui est quoi. Complètement dingue. Alors ouais, le roi Link alors. On va l'appeler le roi Link. C'est une très très bonne idée ça. Comme quoi hein, parfois tu te surpasses. Ça me fait plaisir. Aragonda. Le roi Link. Le roi Link. La 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 la. Alors attendez, Topicker, ça je vais les transférer. Ça, ça part. Non, ça oui, ça oui, ça oui. Merci beaucoup pour le follow Twitch. Les amis, encore 5 followers. Et on a passé le cap des 5100. N'hésitez pas. Si vous avez toujours pas suivi la chaîne Twitch, alors à la base, je vais vous dire un truc. J'ai atteint les 5K lundi. Donc moi, je voulais faire un live 5K samedi prochain. Mais à l'allure. Je vais devoir en faire un autre pour les 6K. Donc, merci à vous pour le soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais je m'attendais pas à faire des lives à chaque anniversaire, à chaque cap, tous les deux mois quand même. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes au top. C'est juste qu'il faut que je me prépare à l'idée d'en faire tous les deux mois. Merci à vous. Complètement dingue. Ok. Alors, il me faut rapace des pics là. J'ai vu qu'il y avait rapace des pics. Ah merde, il y a un dresseur d'abord. Oh, allez. On va se le faire. Ouais, en fait, Haruko, je vais donner... Par exemple, toi aussi, tu auras un Pokémon. Et vu que toi, ton pseudo, c'est Haruko's Play, et que Haruko me fait penser à Haruko, il faut que je trouve un Pokémon qui ressemble à un haricot. Si je trouve pas, ce sera un Pokémon plante. Donc, tu vois comment je raisonne? Voilà. Donc, est-ce que dans la première gêne... il y a un Pokémon qui ressemble à un haricot. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que dans la première gène, il y a un Pokémon haricot? Non. Mais il doit certainement y avoir un Pokémon herbe. Un truc qui fait penser à un haricot. J'ai... Oui, il n'y a que moi qui dessine, oui, ce soir. Il n'y a que moi qui dessine. Et il n'y a que vous qui devinez. Il n'y a que moi qui dessine, bien sûr. Ce n'est pas Gartic Fun. C'est Gartic Show, c'est pas pareil. Oh, Paras, merde! Putain, Parasi. Oh, il m'a eu. C'est pas grave. J'ai Eric. Bon, il a plus trop de vie, mais j'ai Eric. Crisacier, il est déjà pris. Il est déjà pris, Crisacier. Lance-flamme, vas-y Eric. Bonsoir mon maître. Bonsoir Lana. Comment ça va Lana? Alors toi tu me dis bonsoir à 15h20? À part si tu viens d'un autre pays. Mais sinon bonsoir.
Allez, Gérard. Putain, alors attendez. Tu t'appelles Gérard? Oh, les gamins, quand même. Hé, les gamins. Hé, franchement, les parents, n'appelez pas vos gosses Gérard. Mais quand même. Après, c'est eux qui se font chambrer à l'école. Gérard. Papa. Quand même. Les pauvres gosses. Attendez, là, il n'y a que des ratatas, là. Mais attendez, il y avait un autre Nidoran, là. J'aurais pu avoir Queen. Parce qu'il y a Nido Queen. Attendez. Il y avait le Nidoran, mais bleu. Piafabek, je l'ai déjà. C'est Zoltal. Attendez. Non. Oh, bah, j'ai Nidorino. Bah, attendez, je vais le prendre quand même. Mais c'est le bleu que je veux. Je vais le prendre parce que je l'ai pas. J'ai pas le bleu là. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça quand tu mets un prénom à un gosse, t'essaies de t'adapter d'abord. T'essaies de faire des essais, tu fais des tests avant pour savoir si ça lui va. Genre moi, si j'avais un enfant, la première chose que je ferais, ce serait de crier sur l'enfant pour voir si ça fait bien, du style. Gérard! Tu viens là? Mais j'ai pas sauvegardé, je m'en fous! Gérard! Les lasagnes! Elles vont refroidir! Et là, je peux juger si. Bah, ça le fait ou pas. Là, tu vois, ça le fait pas, ça. Lasagne, Gérard. Il y a un truc qui va pas. Donc, du coup, jamais j'appellerai mon fils Gérard. Jamais. Voilà. Donc, n'hésitez pas à crier. Comme ça. Histoire de voir si le prénom peut aller à l'enfant ou pas. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Ok, génial! Feuille, il monte au 25. J'avais un collègue plus jeune qui s'appelait Serge. Oh là là. Eh, c'est compliqué, hein. Eh, de s'appeler Serge. Manquerait plus qu'il y ait une sœur qui s'appelle Jeanne. Ah, il est là, le bleu. Génial. Voilà. Et là, voilà, et ben Nidoran, je vais l'appeler Queen. Parce qu'elle se transforme en Nido Queen. Incroyable. Bisous, Emily, bon courage. Bye bye. Regardez. Bye. Hop là. Je préfère largement le bleu que le violet. Hein. Largement. Voilà, Nido Queen. Impeccable. Impeccable. Putain, on en capture des nouveaux Pokémon là de la commu. Eh, on en capture de ouf en vrai. Voilà. Du coup, je vais renommer. Il y a plein les nouveautés en vrai là. Oh, il y en a plein qui a eu son Pokémon. Attendez. Voilà. On change de surnom, bien sûr que oui. Et on va renommer. Hop. Voilà. En Queen. Voilà. Impeccable. Bah, ça fait plaisir, ça. Eh, ça fait plaisir. Oh, Lenzo, t'as pas encore. C'est parce que j'ai pas trouvé encore le Pokémon qui te correspond. Ça peut prendre du temps, vous savez. Lenzo. Tu vois. Ça peut prendre du temps. C'est pas évident. Laissez-moi le temps. Donne-moi le temps, comme le disait Jennifer. Elle soupit, ouais. Voilà, donc... chaque viewer Twitch aura son Pokémon. En plus, Lenzo, il me semble que c'est toi là qui travaille dans les couvertures, là, je sais pas quoi, là. Lenzo, c'est toi, il me semble, hein. Qui travaille dans un métier bien physique, là, qui est couvreur. C'est toi ou c'est pas toi? Est-ce que je me suis trompé de personne ou je vise dans le mille? Voilà, Lenzo, c'est bien toi. Tu vois, je me souviens. Donc, il faut que je trouve un Pokémon qui est assez musclé, qui a pas peur de... qui a pas peur de travailler, qui est couvreur, un Pokémon qui couvre, un Pokémon, tu vois, qui pourrait être comme Machoc. Mais je vais trouver un mieux. Un gars vraiment du lourd, tu vois. Bah, un Pokémon qui est là et qui n'a pas peur. Onyx, c'est incroyable. Onyx, c'est incroyable. Et ben, Onyx, c'est impeccable. J'avais pensé à Rakaïou, Machoc, Onyx ou un autre Pokémon dans le genre. Mais Onyx, c'est incroyable pour Lenzo. Oui, totalement. C'est très bien.
Taino, il est réservé à... Il est réservé à... À Kalou, Taino. Parce qu'elle est là. Paf. Elle fait comme ça, elle fait... Bam. Bam. C'est totalement elle. Taino est déjà réservé. Non, Lenzo en Onyx, c'est ouf. C'est une très très bonne idée, ça. Maintenant, il faut croiser à Onyx. Il faut croiser Onyx. Alors, je suis pas sûr de le croiser très souvent. J'espère. Je me le souhaite. De croiser Onyx. Et Lohan qui monte au niveau 25. Je crois que Cyclone, ça pue la merde, non? Je crois que c'est nul, ça. Attends. Ouais, c'est de la merde. Ouais, ouais, ça pue la merde. On oublie la capacité, ouais. Non. Ah oui, non. Non, ouais, non, je voulais dire, on garde les... D'accord, ouais, je sais pas lire en plus. Eric, tu montes au niveau 19. Waouh, et en plus, je gagne 2 super boules. Bah, c'est ça. Salut Elsa, ça va? Ouais, faut venir sur Twitch pour les viewers, c'est mieux. Super potion. Bah, écoutez, trop bien. Ça fait plaisir. Je prends les Pokéboules. Et encore 5 Pokéboules. Oh là là, mais quel bonheur. Là, je sens qu'il va y avoir un Pokémon rare. Ok. C'est Rattata. D'accord. Super. Bon. Après, oh merde, je l'ai... Oh non! Je voulais pas l'esquiver, le dresseur. Oh, mais putain, mais... Il veut pas de moi, là. Ça arrive, Blacaru. Ou pas. Fiona, la fan de pique-nique. Alors, voit pas sirène. Poissy, sirène. J'adore ce doublage. Poissy, sirène. Vas-y, poissy sirène. J'irai même poisson. Allez hop là. Poissy, sirène. Qui est-ce qui pourrait être en poissy sirène? En fait, j'adore poissy sirène. Mais sauf que poissy sirène se transforme en poisson roi. Donc faut le supporter quoi, d'être un poisson roi. Parce que poisson sirène. Mais c'est ça. Poisson sirène, elle est incroyable. Elle est trop belle. Mais après il y a poisson roi. Donc c'est compliqué hein, d'être un poisson roi. C'est quand même un... C'est chaud. C'est-à-dire que tu es quand même... Tu passes d'une reine incroyable, magnifique, un très beau make-up, à poisson roi. C'est compliqué quoi, enfin il faut l'assumer. Ok, je vais appeler Constance. Allez. Allez, c'est bon. Allez, let's go. On y va. Pika pika. Vas-y, go. Allez, let's go. Ouais. Alors moi, si les gens sont susceptibles ou pas, mon ami, ça me regarde pas. Voilà, moi je fais mon taf en fait. Moi je m'en balaye la boule. Moi je m'en fous. Moi je mets, t'es content, pas content. Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas. Il y a un moment, moi ça me regarde plus. T'es susceptible, t'es pas susceptible. Si tu veux pas être gros tas de morve, bah écoute c'est pas grave. À un moment moi je suis pas là pour non plus tâter le terrain. Il y a un moment, moi je mets les Pokémon en fonction des envies. Après moi ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire. Enfin je m'en carre la boule, hein, on est complètement d'accord. Merci pour le follow Twitch. Donc bon il y a un moment... Allez, bye bye Fiona. C'est qui a une poissonnière? Bah je sais pas, est-ce que quelqu'un travaille au rayon poisson à Auchan? Est-ce que quelqu'un travaille au rayon poisson? Le vendeur au rayon poisson est demandé à l'accueil. Le vendeur au rayon poisson est demandé à l'accueil et demandé au live. Sur le live de Flavie Alexander s'il vous plaît. Le vendeur qui sent le poisson et demander à l'accueil, merci. Racaillou, vraiment. C'est qui est une racaille? Ça peut durer une heure. Est-ce que quelqu'un est un peu racaille? Qu'est-ce qui brûle des poubelles ici? Qu'est-ce qui pète des voitures en pleine nuit? Qu'est-ce qui est un peu racaille? Bon, il est mort. Bye bye bye. Ah, une deuxième racaille. Oula. Il vient en meute. Ok, racaille. Ok, bah allez, on y va, on donne tout. Et Pika Sprint.
Ah, ça l'affecte pas. Aïe. Aïe, 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 aïe. Tu veux bien être excellent? Eh ben avec grand plaisir, mon ami. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Aïe, 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 aïe. C'est vrai que ça te va bien? Ça te va grave bien en plus, excellent. Avec le fait d'articuler et tout là, de ouf. T'es malade! Mais tellement! Mais ça va tellement bien! Mais qui de mieux qu'une orthophoniste? Incroyable! Incroyable! Meilleur choix de Pokémon! Alors là. C'est incroyable! Bah alors là, le choix il est incroyable! Ah non, mais franchement, mais c'est génial! Et en plus, tu m'enlèves une épine du pied! Parce que je me suis dit, mais qui peut prendre Exelang? Je pensais que tu collais des timbres. Oh, j'ai chaud. Oh, avec vos conneries, j'ai chaud. Oh, putain. Bah oui, Exelang, il est toujours comme ça. Wow. Ah wow, c'est fort. Merci Elsa pour le follow Twitch. Wow. Ah, j'ai envie de crever. Ah ouais, c'est très fort. Merci Elsa. Oh là 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 là. Oui, Constance, elle résiste de ouf. Hein. Eh, je fais souplesse depuis tout à l'heure. Elle résiste de malade. Bon là, elle va crever, je crois, il me semble. Hein. Non? Non, elle résiste. Hein. Elle est là. Hein. Oh là là! Sacré Exelang! Et elle est encore là, il lui reste que un PV à Constance! Hein. Mais elle bouge pas, elle est toujours là! Elle a pas le temps! Elle veut pas mourir! Hein. Oh, je vous jure! Oh là là! Mais j'ai hâte de le capturer, Exelang! Elle évite l'attaque, voilà! Elle bouge pas! Hein. Aïe, il envoie la sauce! Aïe 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 aïe. Au revoir Constance. Comment il a peur? N'aie pas peur. Vas-y Eloan. Achève-le. Vas-y go. Voilà super. Attaque patience. T'inquiète pas, j'en ai plus que toi. Tornade. Une tornade. Très tornadeux. Vas-y. Encore une tornade. Bon, il se concentre. Ah, qu'est-ce que vous me faites rire parfois, hein. Quelle bande de petites canailles. Quel live encore. Eh, les lives de l'après-midi, en général, c'est censé être chill. Parce que, voilà, il n'y a pas trop de monde. On est entre nous, c'est chill. C'est toujours n'importe quoi, hein. À chaque fois, je dis à Cricri, je dis, bon, allez, je dis, je vais en live. Je dis, ça va être chill, ça va être tranquille. C'est jamais le cas. Moi, je vois trop le genre l'après-midi comme un moment, genre un peu genre de sieste. Genre, y'a pas tout le monde et on est bien quoi, on est un peu en mode cocooning. C'est jamais le cas. Jamais. Oui. Oh, gros mytho, je te jure. Le moment papy-mamie, c'est vrai. Eh, écoute, vous avez entendu ce qu'il a dit? J'ai jamais dit ça. Oh là là, mais quelle main. Mais quelle main. Oh là là. Mais c'est même pas vrai. Eh, vous croyez qui? Vous croyez lui ou vous croyez moi? Oh merde, j'ai pas pris tunnel! Oh merde, à cause de toi! Mais merde! Inata n'a pas pris tunnel! Oh bordel! T'es vraiment un mytho, hein. Ben voilà, je suis dans la merde! Il a dit quoi? Il a... Attends, t'as dit comment ça? T'as dit comment? Il a dit... quand tu fais l'après-midi, tu dis... ouais, je vais retrouver les... Quoi? Les branleurs? C'est même pas vrai. J'ai même pas dit ça. Ça m'inteux. En plus, c'est même pas un mot que je dis, branleur. Je dis jamais branleur. En plus, oh là là, je vais retrouver la Kalounas.
La Kalounas. Mais je dis jamais ça. J'ai jamais dit Kalounas de ma vie. C'est cal... Alors déjà, je dis une Kalounade ou le Kalounard. Mais alors je ne dis jamais Kalounas. Non, mais alors jamais de la vie. T'es vraiment un matheux hein, quand même. C'est vraiment un mytho. Tu te racontes trop une vie, toi, en fait. Franchement, vous croyez qui? Vous croyez qui, franchement? Vous croyez Cricri ou moi? Vous le savez, hein. Et surtout, si j'avais un truc à vous le dire, moi, je vous l'aurais dit déjà depuis un bon bout de temps, hein, quand même. Hein. T'es vraiment qu'un sacré mytho, toi. T'es un peu le fils à Jean Rajoute. Je vous jure. Allez, allez, prends ta chiennasse. Et j'ai hâte d'attraper Ramolos, histoire de te renommer en Ramolos. J'ai hâte, Ramolos. C'est Eric qui t'a dit que tu ressemblais à Ramolos. Oh là là, j'adore. Bah t'as qu'à gueuler à Eric, hein, c'est pas moi, c'est Eric qui a dit ça. Mais c'est vrai qu'il a raison quand même. T'as vraiment une tête de Ramolos. Oh, quel canaille. Bon allez, il reste combien de temps là? 20 minutes déjà? Putain, qu'est-ce qu'on... ça passe vite. Attendez, mais lui il veut pas que je le batte. Et lui il veut pas. Quel sacré canaille. Oh, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Oh, je te jure. Ferrossage. Alors ça, c'est Schnocky, ça. Eh, mais est-ce que c'est un membre aussi de... Ou alors pas du tout. Est-ce que c'est un des cousins de... Parce qu'ils se ressemblent pas trop, quand même. C'est un cousin éloigné. Ouais, ça a l'air d'être un cousin. Ah, c'est leur daron, carrément. Ah ouais. Ce qui m'a l'air vachement jeune quand même. Ouais, c'est plutôt un cousin éloigné. Très 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 éloigné hein. Mais genre bien éloigné, tu vois. Genre loin. Loin. Grave loin quoi. Et Black Arrow, il faut que je pense aussi à toi pour un Pokémon. Parce que il faut, alors j'ai deux possibilités. Soit je te choisis un Pokémon de couleur noire, vu qu'il y a Black dans ton pseudo. Ou soit je pousse plus loin la chose. Et vu que tu fais des créations en bois, il faut un Pokémon bois. Il y en a là-dedans. Tu vois, genre Black Arrow, on serait dans la deuxième gêne. Je t'aurais renommé en Simularbre. Parce que c'est un arbre. Mais là, il n'est pas là. Donc je vais essayer de te trouver un bon Pokémon hein. Voilà. Donc je vais trouver ça, t'inquiète pas. Je vais trouver ça. T'en fais pas. Alors où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'il y a un des rares? Oh Krabby! Oh Krabby! Oh Krabibi! Oh mais je t'aime trop Krabby. Oh Krabby Krabos. Oh non attendez, mais il est incroyable. Krabby, il est vraiment incroyable. Il faut quelqu'un de mignon. Est-ce qu'il y a ça sur le chat? Oh, il y a pas ça. Il y a pas ça. Il y a personne de mignon. Moi, parce que j'en passe pour toi. Alors. Pour cette vanne, je vais te mettre je vais le renommer en plume. Pour cette vanne, parce que cette vanne, elle est vraiment drôle. Merci Schnico du passage. Allez, allez, pour cette vanne, je vais mettre plume. Allez, vraiment pour cette vanne. On est complètement crazy. Allez Krabby, Krabby, montre-toi en petite plume. Je vais t'appeler juste plume, parce que petite plume, ça me regarde pas, moi, la taille. Alors, plume. Voilà. Avec deux M. Vous aimez bien vous mettre plusieurs lettres? Beaucoup de lettres?
Genre, il y a des gens, genre, leur pseudo, il y a plein de S à la fin, genre... Il y en a plein. Vous aimez bien faire ça, vous, hein? Ouais. J'ai remarqué ça. Alors, transférer, voilà. Le roi Lignant, on ne transfère pas, yaya. Eh, il y a plein de... Caninos, je l'ai déjà. Oula, attendez, Sabelette, je l'ai déjà. Et regardez. Et on est déjà une belle équipe, en vrai, regardez. Eh, c'est beau, hein, ce qui se passe. C'est beau. Salut, Flouf. Voilà. Eh ben, Plume. Plume, prends place. Plume. Tu es un Krabi. Bravo, Plume, bravo. Regardez cette équipe. Eh, regardez, j'ai déjà renommé tout ça. Akeseleu, Eloan, Constance, Ambre, Maël, Alex, Ambre. Alors, il y a plusieurs Ambre, hein, donc essayez de suivre. Lolono. French. Attendez, French. Zoltal, Feuille, Pikmin, Nyamaru, Schnoki, Kazu, Magla, Diego Lebot, Eric, Yaya, Inata, Manu. Ou encore Alex, il y en a plusieurs aussi. Salamèche, j'ai pas encore trouvé de nom. Je ne sais pas à qui je vais le donner. Salut Julie, ça va? Nanami, ou encore le roi Link, Queen et Plume. Il y a une sacrée équipe, hein. Il y a une sacrée équipe. Salut tous ceux qui débarquent, reflouf. Alors Flouf, toi, moi je te vois plus en plouf. Du coup, un Pokémon haut. Ah, Ratata, que je l'ai pas. Allez, on y va. Oh, je sais pour qui. Eh, Flouf, je sais qui est-ce que je vais... Flouf, je sais qui est-ce que je vais te mettre. Il faut juste que je le capture. Tu vas avoir un sacré Pokémon. Je sais, c'est bon. I got it. C'est mangé. Allez, go. Wow. Bon, ça va bien, Julie. On est sur la fin du live. On a trop rigolé. C'était encore un live vraiment... mais complètement crazy. Encore. Alors qu'on est à l'après-midi. Hein. Mais écoute... on passe du bon temps. On rigole. On s'amuse. C'était n'importe quoi. Bon, la rat attaque. Bon, Ratata, que je l'avais pas. Rush Toki. Ouais, t'inquiète, Flouf, je sais qui est-ce que je vais te choisir. Je vais te mettre. Bon, je sais qui est-ce que je vais te mettre, moi, Flouf, tu vas voir. Je les ai déjà. Nidorino, je l'avais ou pas? Je sais plus. Oh merde. En plus, j'ai même pas la canne à pêche. Ah, Team Rocket. Hé, toi là, t'es le morveux qui arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Je parie, c'est ça? Totalement. Oula, il a rappelé ses potes. Oula. Tout le monde se moque de nous à cause de toi. On aura bientôt trop honte de se pointer devant le boss si ça continue. L'heure de la vengeance a sonné. Oh, on va se faire défoncer là. Oula là. Un instant. Quoi? Oh! Oh là 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 là, low class incroyable! S'en prendre à un enfant, vous n'avez donc pas honte? Tant de bassesse, c'est révoltant. Mais t'es qui toi là, la Rousseau là? T'es qui toi? On a peur de rien nous, on est des vrais! Je me charge de ces trois énergumènes. Tu veux bien t'en occuper de celui qui te reste? Ce serait fort aimable de ta part. Mais avec plaisir, Bayonetta! Ah, ça va, Bayonetta. J'aime ta combativité. Ok, Bayo, je m'en occupe. Allez, Mayo. Alors, le jour où on fera Bayonetta, je la renommerai Mayonetta. Mayo. Sbire de la Team Rocket veut se battre. Ça me fait pas peur. Rat attaque. Oh, quel gros rat. Mais heureusement que j'ai Manu à côté de moi. Ah ouais, mais je suis niveau 19, hein. Allez, petite écume, va te laver le rat. Trop fatal. Aïe. Ah. Allez, vas-y. Les petites bulles. Tu pues le rat. Ah bah ok, bon, ça lui fait que dalle.
Mais je crois que Manu va pas faire long feu, hein. Oh non, me mâchouille pas! Non, pas mâchouille! Oh non! C'est pas grave. Écume! Allez, lave-toi, Laura! Alors, ok, c'est super. Alors, attendez. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Je vais appeler Eric. On a besoin d'Eric. On a besoin d'Eric maintenant. Vas-y, Eric! Let's go! Montre-nous ton lance-flamme! Aïe! M'arrête de mâchouiller, je suis pas un chewing-gum! Oh! Lance-flamme! Vas-y! Putain, mais j'attaque quand dans ce jeu de mort? Mais lance-moi la flamme! Ah, voilà! Ça, on aime ça! J'ai brûlé d'impatience pour te la lancer. Alors, non! Non! Ah, on résiste! Merci pour le follow! Plus que 3 followers et on est 5100, les amis! Bye bye, Laura! Allez, bye bye! Eric t'a géré, Manu également. Manu monte au niveau 20! Ça y est! Enfin! Pistolet à eau! Enfin! Attendez, on va virer Mimiqueux là. Eh, on s'en fout de Mimiqueux! On s'en fout! Eh, on s'en fout! C'est bon! Pistolet à eau. Enfin, une vraie attaque pour Carapuce. Bah, tant mieux si vous amusez bien, TikTok. Tu te défends super bien par un morveux. Allez, dégage. Mais bah, 3, on fait pas le poids. Et c'est Pokémon Glace, là. Mais t'es qui au juste? Je suis Olga, du conseil 4 de la Ligue Pokémon. Je vous conseille donc de déguerpir avant que je m'énerve. Le conseil des 4. Ah. Tu te débrouilles très bien, mon jeune ami. Je m'attendais pas à ce que tu t'en tires avec tant de panache. J'ai cru voir que tu collectionnais les badges, c'est ça? Oh, très cher Pika, je t'ai pas parlé à toi. Alors ferme-la. Vivement le jour où tu franchiras le seuil de la ligne Pokémon pour venir nous défier. Au plaisir, mon jeune ami. Bye bye. Mais quelle classe! Quelle classe, cette très chère Olga! Pas mal. Carabaf est incroyable. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Ici on soigne les Pokémon. Est-ce que vous voulez qu'on soigne vos Pokémon? Bien sûr. Très bien, confiez-moi votre équipe de Pokémon. Ça fait beaucoup de Pokémon. Voilà. Super, merci. Votre équipe Pokémon a retrouvé la santé. Revenez quand vous voulez au centre Pokémon. Tu m'as fait peur. T'as raison là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une galette des rois là. Oh ouais, super. On la mange dans combien de temps? Un petit 10-15 minutes. Voilà. On fait ça, vas-y. Bah je termine le live là. Je suis avec les gens. Et après on discute et on mange une petite galette. On va voir si t'as la fève ou pas. Oh, ça va être super. Oh, une petite galette des rois. Bah bien sûr que oui, que je dis oui. Bah sinon je peux arrêter là, hein. L'estomac sur patte. Non, on va finir quand même. Ah ouais. Tu vas nous laisser pour une galette? Oh que oui! Salut Feuille! Bah bien sûr! Yeah. Une galette? Ou ma communauté? Une galette? Ça me paraît normal! Et après, ils disent pas que vous êtes des branleurs! Ah, j'ai jamais dit qu'ils étaient des branleurs! Non, là tu mélanges tout! Non, cri! Non, non. Tu mélanges tout! Non, faut pas confondre tentacule et j'encule ma tante! Ça n'a aucun rapport! Ça n'a vraiment aucun rapport! Tu peux rigoler, cri! Ça n'a aucun rapport! Là, on parle d'une galette, donc c'est pas n'importe quoi. Je dois choisir entre la commu, l'argent, la gloire, la célébrité, ou une galette. Je veux dire, il y a un moment, je crois que le choix, il est vite fait. On ferait tous pareil. On choisirait la galette. Bah non, bah la galette, mais non, cri. La galette. L'argent. La galette. L'argent. Oh, il comprend pas le sens des priorités. C'est pas grave. Laisse-nous. Il comprend rien. Mais oui, c'est la galette le plus important. Bien sûr. Il comprend rien, la galette c'est carrément plus important. Comme on dit, un galet, une galette. Donc voilà. Voilà. Bon, Ravioli là, tu meurs ou quoi là? Oh, salut Slayer, ça va? Mais tu crèves ou quoi là, Ravioli? Ah, oh, il nous fait chier là. Ben ouais. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison.
l'argent pour acheter des galettes. Oui, mais de l'autre côté aussi, je peux très bien faire des galettes pour avoir de l'argent. Dans les deux sens. Je peux très bien arrêter ma carrière de streamer pour être un galettier. C'est alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un galettier, c'est un homme qui fait des galettes. Donc ou une femme, bien sûr, une galettière. Donc je peux très bien faire ça. Ça peut être un choix de carrière. Être une galettière. Voilà. Ça peut être un choix de vie. C'est live, ça n'a aucun sens. Ah là 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 là. Voilà Basile, bye bye, ciao. Non, en vrai, c'est juste que le live se termine à 16h, hein, tout simplement. Galette ou pas galette, je serai parti à 16h. 5 Pokéboules. Voilà. Tout simplement, les amis. C'est juste que la galette, elle arrive pile poil. Et on se retrouve ce soir pour jouer à Gartic Show. Donc n'hésitez pas à venir. Petit rappel, dernier rappel. Venez sur le Discord. Venez, parce que si vous jouez au Gartic Show, vous allez gagner un badge pour le Discord. Donc n'hésitez pas à venir et participer. Vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à minuit. Hein. Voilà, n'hésitez pas à venir. Non, t'es toujours Air Bizarre, Feuille. Voilà. C'est juste que la galette, elle arrive vraiment au bon moment, c'est tout. Arrêtez d'être jaloux. Arrêtez d'être jaloux. On va appeler la Constance. Oui, dame. Je vais manger une galette. Une bonne galette. C'est ça. Une très très bonne galette. Oh non, il me fait une hypnose. Oh là là. Oh là là. Allez, on y va. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce live. Eh, c'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Merci à vous d'avoir été là. C'était trop chouette. Et ce soir, on va rire. Avec les dessins. On va rigoler. On va rire. Feuille, tu montes au niveau 26. Le colossage, le... non, on continue sans changer. Ça, c'est Snooki quand il est vénère. Et... ça, c'est Snooki quand il a pas fait sa sieste. Oh, j'ai pas fait ma sieste. Bye. Faut faire une sieste, hein. Bah c'est ça, mais on est d'accord. On est d'accord, dame, on est d'accord. Ah, peut-être que je vais avoir la fève. Non, je pense pas. Je laisserai la fève à... Je laisserai la fève à Cricri, sinon il va crier. Cricri, crier. Tout a un sens. Oh non, Pikachu... non, Constance. Oh merde. Constance, elle a eu peur de Snooki. Mais je vais appeler Hinata. Vas-y, Hinata. Hinata qui va devenir... Trio Picker. Je le rappelle, Hinata, Hinato et Hinatu. Voilà pourquoi je l'ai appelé Hinata. Et qu'il fallait absolument que ce soit... Putain, j'ai pas de tunnel, j'ai le seum. Oh, oh là là, il faudrait que je lui apprenne tunnel. Hinata. Ok, d'accord. Merci Hinata. Merci Hinata pour la participation. Merci à toi. Merci du passage. Voilà. Merci Nata. On va appeler Eric. Eric, ça sent bon. Eric. Eric. Allez, petite flamèche. On y croit ou pas? Ah, Eric, il est KO, non! Mais attendez, il est en train de défoncer là. Eh, mais Snooki, il est en train de défoncer là. Ah non. Eloan! Vas-y! Loan. Vas-y Loan. Attaque tornade. Mais attends, mais il va tous nous défoncer là. Oi. Ça fait mal. Ah bye bye. Et ben voilà. Putain, il en a tué quand même deux, hein. Au revoir Colossinge. Au revoir. Et Loan. Oh regardez. Et Loan qui monte au niveau 26. C'est magnifique. C'est magnifique. On a battu Marie-Josée. Mais c'est quoi ces prénoms? Marie-Josée. Sacré Marie-Josée. Tu me donnes quoi?
Une casse-brique. Voilà, bon, tant que c'est pas casse-couille. Allez, merci à toi. Je vais aller soigner mes Pokémon. Oh là là. Tant que c'est pas casse-couille, c'est le principal. Bah ouais, hein. Oh, mais quel live. Mais quel live, encore. Un sacré live. Un sacré live. Un live, vraiment live-en. C'était trop drôle. J'ai adoré ce live encore. Oh, qu'est-ce qu'on a ri. Qu'est-ce qu'on a ri. Et en plus, on a pu capturer quand même des Pokémon et mettre en viewer. Donc voilà, c'était vraiment incroyable. Franchement, c'était génial. Allez, on va s'arrêter là. On va sauvegarder pour cet après-midi. Voilà, c'est la fin. Évidemment, bien sûr que oui, la fin de ce live sur Pokémon Let's Go Pikachu. Bien sûr que oui. Tu viens faire un petit bonjour? Monte, monte ma fifi. Viens faire un bisou. Viens mon bébé. Monte ma fifi, viens. Fais un petit bisou à la team Twitch. Bah, vous TikTok, vous la verrez pas. Ah, c'est un petit peu. Ça va ma crosse? Ça va. Voilà, bah nous on vous fait des gros bisous. On vous dit à ce soir pour du Gartic Show, bien sûr. On fait un petit raid à quelqu'un? Ouais. Allez, on va faire un petit raid à quelqu'un. Et ça va être une sacrée soirée. Je préfère vous le dire. Donc soyez là. Oh bah Carole, elle est de retour au business. Bah on va aller faire un petit raid à notre très chère Carole qui est en train de tester Prince of Persia, le tout dernier, si jamais vous voulez aller voir. Moi, trop content qu'elle soit de retour au business. Voilà. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous ce soir pour du Gartic Show si vous voulez deviner mes dessins. Si vous voulez deviner. Voilà, si vous voulez rire dans une ambiance vraiment très ambiançante, et ben c'est ce soir à 20h. N'hésitez pas à venir sur le Discord évidemment pour que ce soit au top. Merci les modos pour ce live. Merci TikTok. Merci à vous, c'était trop cool. Oui, on va manger la galette. J'y vais. Un galet, une galette. Allez, bye bye.